Bonjour, bonjour YouTube, j'ai quelque chose à vous dire, le chat est super content, c'est parti pour investir Tears of the Kingdom, la découverte de l'efficacité du skill. C'est parti les gars, on parle même plus. Attendez, je vais enlever ma cam. Oh c'est moche. Oh c'est moche. Ah, j'ai envie d'y jouer quand même. La concentration de miasme s'intensifie. De miasme ? Oh, la voix par contre, bon, je suis déjà pas fan de la voix française, mais bon. Merci, Hawkin. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. Pas mal comme ça, Zelda, la petite coupe là. Tu t'es fait une petite peucou ? Pourquoi ? Pourquoi ? Hein ? Nous pourrons examiner ça sur le chemin de retour pour le moment. Continue. Pourquoi je peux pas installer un patch 60 FPS comme sur... Ah, je sais pas, comme sur... comme sur des logiciels accessibles à tous ? Ah putain de merde ! Merci Mega Chad. Ça fait quand même plaisir. Oh par contre j'ai changé un truc que j'avais changé sur le jeu d'origine tout de suite. Voilà, merci. On n'est pas... on n'est pas Jack Lang, hein. C'est pas fluide, Hugo. Bah, c'est 30 FPS, quoi. D'après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Heureusement, cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que c'est ? C'est incompréhensible. Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château ? Il a la même boucle d'oreille que moi, Link. L'exploration pourrait s'avérer plus dangereuse. Enfin, je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés. Merci, Kézak. Allons vite élucider ce mystère. Ce mystère. Allons tout de suite analyser ce mystère. C'est comment elle s'appelle, la fausse youtubeuse qui avait un voice mode à l'époque de YouTube, là, l'époque Mr. B-Boy 45, là. Il a oublié de mettre le filtre. Allons résoudre ce mystère. Quoi donc? Tu me suis, ma vieille, hein? Attention, hein. Ça va, le son, les gars, au fait? Ouais, Sophie HD, c'est Zelda, Sophie HD. Ton épée. Ouais, c'est bon, ok. La lame purificatrice réagit à quelque chose. J'en étais sûr, il y a bien une présence maléfique dans ces profondeurs. Nous avons laissé le château à l'abandon depuis la chute du fléau. Hein. Mais je n'aurais jamais imaginé découvrir un tel passage sous ces fondations. Hein. Continuons, Link, mais soyons prudents. Hein. Elle en a déjà des choses à dire. Oh, oh. J'aime bien la petite... Ah, ça me fait beaucoup penser à Twilight Princess, la petite touche sonore comme ça, là. Et tu vas m'arrêter tous les 2 mètres, toi ? C'est un vestige d'une civilisation très ancienne. Et là, un texte. S'agirait-il de la civilisation Sono ? Bon, je comprends rien. Oh, c'est bon ! Ça y est, c'est God of War. Ils nous font une God of War, Nintendo. Merci, Lucas. Et cette sculpture ? Oui, tout ce qui s'y trouve ici ne fait que confirmer ce que je sais sur les Sonos. La civilisation Sono remonte à un passé fort lointain, à l'âge des légendes. On dit que sa puissance égalait celle des dieux et qu'elle florissait dans les cieux. De nombreux recueils d'histoire la mentionnent, mais on en sait très peu à son sujet, elle demeure une énigme. Merci Cibrio. Pourquoi il me dit... Oh ! Est-ce que j'ai du stuff sur moi ou... Ouais, je peux pas changer par contre. Ah, il y a grave une vibe Twilight Princess par contre. Celle des sonos regarde la taille de leurs oreilles. Ils ne ressemblaient pas tout à fait, mais pourquoi des vestiges d'une civilisation céleste se trouvent-ils dans les sous-sols du château? La route semble descendre encore plus profondément. Allons-y, Link. Ah, je kiffe l'ambiance, là. Oh, putain! Si c'est ça, les premiers ennemis! Allez, tu dégages.
Ils ont critiqué la tenue de Grim Cujo aux flammes. Tout va bien, Link? Tu n'as rien? Putain, Nintendo, pourquoi vous les nous... fresques, ici? Sortez-nous une nouvelle console, putain de merde. L'alerte? Elle est où, l'alerte? Les livres d'histoire des archives royales... Oui, pardon. ...évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi démon se disputaient l'autorité suprême. Les Bokoblins! Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques? Mais c'est la même doubleuse que le 1, j'ai pas l'impression. Ce personnage ressemble au statue de tout à l'heure. C'est un Sonao. Ah, Sonao! Et là, regarde! Ce sont des Iliens comme nous. Les fresques! No way! Les Sonao seraient descendus du ciel. Les Sonao, ok. Ouais, c'est Adeline Shetai. Ok, je l'ai pas reconnu. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonao. J'arrive pas à m'y faire aux Sonao. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la terre pour fonder avec eux un nouveau territoire. Le royaume d'Hyrule. Le royaume d'Hyrule. C'est alors... Ah, Ganon ! Oh, si je t'attrape ! Et déroba au royaume un grand pouvoir. Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite, vient l'avènement du roi démon. Alors on a des choses à et dire. Et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors il n'y a qu'une seule conclusion possible. Ça y est les gars, on est dans la merde. Il est extraordinaire. Ils essayent de nous mettre une cohérence scénaristique dans le lore de Zelda. Il s'agit de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du Sceau. Tu te rends compte? C'est une découverte capitale. Oh, Giga Chad. Misogynie voilà. FC. C'est Proa qui me l'a confectionné. Mais c'est... Je suis bien contente de l'avoir emmené. C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Oh. No way! Ils avaient des Switch! Il en manque une partie. Le reste est dissimulé. Cette caverne est pour le moins intrigante. Bien dit. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Viens, Link. Allons voir un peu plus loin. Viens, Link. Je dois aller de backseat par là-bas. Alors, voyons voir ce qu'elle a montré, celle-ci. Hop là! Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un jeu en 30 FPS, les mecs, hein. Ça fait bizarre, hein. Déjà, jouer à un jeu sur Switch, ça fait longtemps. Là, on est d'accord que je peux strictement rien utiliser. Mais j'ai même pas mon inventaire. Par contre, j'ai full cœur, j'ai full endurance. Oh! Ah, putain. La musique est incroyable, par contre. Incroyable! Allons-y, Link, la plus grande prudence est de mise. Ah, la musique est trop cool. Attends, mais ils ont mis une vidéo, ces bâtards? Ils arrivent même pas. Non, mais faites une nouvelle console, les gars, ils arrivent même pas après. Ils ont pré-rendu les cinématiques. Putain, mais c'est chaud! Ah, c'est stylé, par contre. Oui, pardon, ils ont mis des vidéos, vous avez compris, quoi.
C'est terrifiant par contre, hein. Zelda ! Ah ! Ah bah allez ! Ah bah c'était sûr ! Oh, lui il parle aussi. Une épée qui se brise au premier assaut de Mimias ne peut rien contre moi. Mais il est grave stylé lui. C'est Ganon ou c'est Et le porteur de la lame purificatrice, Link. L'ultime espoir de Raoru. Tu me déçois beaucoup. Non, non. Comment peux-tu les connaître? Ah! Oh, la vidéo, elle est rendue en 480p, les mecs. Le monde rentre en érection. Ah c'est beau hein par contre. Enfin, c'est très stylé on va dire. Beau c'est pas le mot. Tu vas bien ? Il fait une quenelle ! Antisémite ! Zelda ? Qui est... Ah ! Et ah ! Zelda ? Oh la vache ! Oh putain ! Oh ça m'a niqué les yeux. Par contre, sincèrement, les musiques, il y a vraiment quelque chose. Très très cool. Ah, s'ils mettent plus de cinématiques pour faire ça, pourquoi pas. Bon, bah bienvenue sur Switch les gars. Vous avez le temps? 30 minutes de chargement, hein? On n'est pas pressé les gars. Sortez votre petite tisane. Allez, réveille-toi Link. Oh, c'est pas beau. Ah, je suis désolé les gars d'en parler, mais si seulement vous aviez été... Je sais pas, si vous aviez été un tant soit peu plus patient Nintendo, vous ne sortez le jeu 2 ans plus tard avec une nouvelle console. En 60 FPS, imaginez. Imaginez juste les gars. Oh. Beau gosse. Beau égale FPS. Bon, allez, ta gueule, toi. Tu m'as très bien compris ce que je veux dire. Cherche pas la petite bête. Un jeu plus fin et plus fluide, bien sûr que c'est ce que je veux. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Te voilà réveillé, Link. Oui, qui c'est? Plus beau égale plus fluide? Qu'est-ce qu'il raconte? Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie, mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. Les miasmes m'ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer, ou tu aurais péri. Putain, il est grave stylé par contre le Harm. Putain, le cul. Oh là là, mon petit Link. Tu vas en faire plier plus d'un, et plus d'une. Bon, la Master Sword, là... C'est râpé cette affaire, hein. Attendez, je remets ça. Hop, hop, hop. Merci, c'est moi Jojo, merci beaucoup. On est dans le nouveau temple de l'éveil.
Ouais, malheureusement, là, c'est... Mais tu m'étonnes que le son, il est pas bien. La lame purificatrice épée au pouvoir sacré a été corrodée suite à une attaque de miasme dans les sols du château. Je me demande comment ils ont traduit miasme... Enfin, c'est quoi la traduction anglaise, du coup, pour miasme? Bon, reste quand même stylé, la Master Sword. Attaque rapprochée. Bon, ça, je connais, hein. Je regarde quand même s'il n'y a pas... Attendez, j'ai... proposé de grimper. Ah oui, ok. C'est jamais. Non, rien du tout. Ah, par contre, ça m'avait manqué. Je sais pas vous, les gars, mais l'une des plus grandes qualités de Breath of the Wild, c'était le petit côté ASMR au niveau de tous les sons. Genre les bruits de pas de Link sur toutes les surfaces, c'était trop... Enfin, tout ce qui était sound design dans le jeu était incroyable, donc je pense que là, ça va être pareil. Juste entendre les sandalettes de Link qui marchent sur de la pierre, c'était classique. Ah, je suis désolé pour la capture, les gars, mais là, vous voyez vraiment ce que je vois. Hein. C'est le jeu hein, qui tourne à 30. Hein. De ce que j'ai lu, c'est fluide. Apparemment, c'est fluide. Il y a quelques chutes de frame, apparemment, quand on utilise certains pouvoirs. Sinon, le reste du temps, c'est plutôt fluide. Donc, on va voir. Hein. Hop! C'est vraiment le bruit de Shigeru Miyamoto quand il va poser une pêche, hein, quand Link il tombe dans l'eau. Hein. Ah, j'ai des petits souvenirs quand même de Breath of the Wild. C'est vrai que j'avais quand même bien aimé. J'avais bien aimé. Écoutez bien. Voilà, là ça trompe pas. Je suis désolé, ça trompe personne. Hey-ya ! Je suis bien aucun dégât. Ouais, bon, ça comme l'autre. Oh. Quand même, s'il y a quelque chose ailleurs. Ça, j'ai mis en très rapide la... Oh, il y a le dehors, par contre. J'ai mis en très rapide la caméra, mais c'est encore un tout petit peu lent. Merci, Noxus. Vieille Spartiate. Oh, ma chérie. Oh là là, les orteils, ma chérie. Mais c'est pas du tout mémérisant, cette affaire. Et la petite jupette. Regardez-le, le kilt, là. Le kilt ilien. C'est quelque chose, ça, hein. Il est beau, mon Link, comme ça, là. Ah voilà, mais c'est ça ce que je vous disais, juste écoutez le son des sandales. Ah mais rien que ça, mais c'est kiffant ça. Ah j'ai pas d'énergie ceci dit. Hein. Alors vous la sentez la cinématique comme dans l'intro. Ah une nouvelle console Nintendo! C'est moche! Ah, oh, s'il vous plaît! Ça a l'air tellement bien, mais c'est moche! Et en plus, ils ont fait une superbe musique. Ah, le dragon! Est-ce que c'est le même que dans le 1? Le gâchis que c'est, mais putain! Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et le pire, c'est que je vais adorer le faire. Le pire, c'est ça, c'est que je vais... Je vais adorer le faire. Rien que là, ça donne envie. Ah, la musique superbe. Superbe musique. Non, mais les gars... Et encore vous, je pense que ça rend plutôt bien en stream, mais... Non, vraiment... C'est du gâchis. C'est du gâchis. Bon, je peux pas... J'ai pas de map encore. Ah, par contre, ça... Tatin ! Oh, les petits sons, ça rappelle des souvenirs quand même. Hein.
Hop. Champignax. Je les vois à peine les champis. Ils ont noté le jeu 10 sur 10 quasi partout, on rappelle. Ouais, non, clairement. Déjà, rien que là, visuellement et techniquement, ça ne vaut clairement pas une note parfaite, mais... Je suis capable de passer outre, sincèrement, je suis capable de passer outre, mais... Parce qu'en fait, moi, par exemple, là, depuis une semaine, je joue à Breath of the Wild sur CMU, avec le patch 4K, RTX et 60 FPS. Merci, Yann. Bah, c'est incomparable, c'est incomparable. Oh. Tu veux une Hagra, toi ? Après, l'ancien, c'était pareil. Hein. Est-ce qu'on va essayer de faire une petite esquive parfaite ? Bon, pas mal. Allez, on retravaille le timing ! Ok, pas mal, Link. Voilà ! Ah, bah, par contre, tu m'étonnes qu'avec l'arme pourrixée... Hein ? Mais attends, j'ai plus du tout les... J'ai perdu la Master Sword, là, tu vas me dire. Corne de golem soldat, tranchante comme une lame, cette corne de golem soldat d'automatique. Potion, ok. Orbe d'énergie. Alors, on dit Sonao, hein. Merci, un petit merci. Ce matériau peut notamment limiter les golems en énergie. Les golems, hein. C'est Twitter. Ah, le son, j'adore. Le son, j'adore. Après, vu le bousin que c'était, c'est pas une grande perte. Tu parles de quoi, Eternity ? Du 1 ? Je te permets pas de dire ça. Il était excellent, le premier. Ah, donc on commence quand même dans les airs. Bon, ça a l'air d'être le plateau du prélude V2. Ça, c'est une de mes craintes, franchement, du jeu, que... On ait beaucoup trop de similitudes avec le premier opus. Malgré les ajouts de gameplay et les changements niveau game design. Oh la vache, je commence à ramer là. J'espère quand même qu'au niveau de l'histoire, ce sera quand même prenant si malheureusement c'est comme ça. Enfin malheureusement, c'est des bonnes bases. De toute façon, le premier, il était très très cool. Donc j'ai envie de me mettre là-haut pour voir. Hop, hop. Oh, il y a un bousin là-bas. La zone de neige. Ah, je vais prendre les champis, là. Ça serait ton Pokémon électrique, Hugo, dans cet opus ? Comment ça ? Faites des phrases cohérentes, s'il vous plaît, en français. Si je puis me permettre, hein. Qu'est-ce que tu me veux, toi ? Je t'attendais, Link. La princesse Zelda m'a chargé de te remettre ceci. Ah ! Let's go, la tablette Arcos. C'est juste la tablette... Prua, un objet de grande valeur qui t'indiquera la voie à suivre. Putain, pas de téton, hein, Link. Hein. Bon, c'est bel et bien une Switch. Hein. Un Steam Deck. La tablette Prua fait mieux tourner Tears of the Kingdom que la Switch. Hein. Comporte de multiples fonctions qui peuvent s'avérer bien utiles. Bon, c'est la tablette dont j'ai oublié le nom qu'on avait dans le 1. Je te l'ai remise ainsi que la princesse Zelda me l'a demandé. Elle t'attend à l'endroit indiqué sur la carte de la tablette. Je n'ai pas d'autres informations à transmettre. Nous sommes au jardin du temps. L'édifice que l'on peut voir au loin est le temple du temps. C'est là que se tenaient autrefois les rites et cérémonies du royaume. Comme tu peux le constater, cela fait bien longtemps qu'il ne reçoit plus aucune visite. Je remets le message ici, c'est que c'est dangereux de jouer sur un simulateur. Un simulateur, carrément. Non, un émulateur, tu veux dire. Non, c'est pas dangereux, tant que tu dumpes ton jeu et pas que tu télécharges la ROM sur Internet. T'as le droit. On peut pas les attaquer, eux. Pourquoi il était méchant, du coup, son comparse tout à l'heure ?
Mais là, le jeu, il est dans nature depuis une semaine et demie, deux semaines. En gros. Est-ce que tu as un compresseur? Si oui, est-ce que tu pourrais augmenter la compression? Alors non. Et non, du coup. Qu'est-ce qu'il me fait chier, lui? Est-ce que t'as un autocuiseur? Est-ce que tu pourrais cuire ton riz un peu moins, qu'il soit plus humide, s'il te plaît? Oh merde, lui. Heureusement que tu vas pas sur les streams des Crisio, hein. Est-ce que tu pourrais être un peu moins moche et faire des tweets un peu mieux, s'il te plaît? Moins de tapines. Tu peux? C'est possible? Te dira non, hein. Oh, c'est ta première visite en cellule, n'est-ce pas? As-tu l'intention d'utiliser ça comme arme pour affronter les golems militaires? Alors, les golems militaires ont pour seule raison d'être de défendre cette terre. Créateur, les Sonao leur ont donné l'ordre d'éliminer tous les intrus. Ils considéreront sans doute comme une menace affrontée sans retenue car eux ne se retiendront pas. Et un conseil, si je peux me permettre, face à tes adversaires, ne secoue pas ton arme au hasard. Assure-toi de les cibler et de maintenir une certaine distance. Bon bah, j'ai déjà joué au 1, donc ça je connais. Mais du coup, je pense que c'est une bonne porte d'entrée le 2, hein, si ça se trouve, pour les gens qui n'ont pas fait le 1. Mais ne m'attaque pas, s'il te plaît. Je fais ce que je veux, je t'écoute pas. Je t'écoute pas. La map est full dans le ciel. Bah, on n'avait pas, pas vu ça dans les trailers, mais... Ah si, je peux l'ouvrir. On avait vu que dans les trailers, il y avait ciel et terre. Donc là, je pense que c'est juste le... Ah tiens, il y a marqué quoi? Île céleste du prélude. Donc tu vois, ça va être l'île tuto, ça, c'est sûr et certain. Est-ce que, par hasard, j'ai... Non, j'y suis allé, là. Orbe d'énergie Sonao. On en a déjà ramassé tout à l'heure de ça, non? Bon, là, ça va sauter sec. Hein. Hop. Et du coup, on peut bien se contrôler quand on fait comme ça. Oh, les petites grenouilles, je vous ai vu, hein. Non, mais moi, ça me dérange pas du tout, les petites... Oh, ça me dérange pas du tout, les petites notes de musique. Il y a des gens qui avaient critiqué ça, franchement, dans le 1. Le fait qu'il n'y ait pas trop de... Bon, si, il y avait des thèmes quand même, mais on va dire qu'il n'y avait pas de la musique sans cesse. Pas comme dans Red Dead 2 par exemple. Mais moi j'aime beaucoup, hein. Ah, pas mal. Superbe. Bon, je vais me débarrasser des branches pourries, hein, les gars. Ça, ça dégage. Bam! Par contre, ça détruit direct. Une arme a été jetée. Attendez, on va explorer un tantinet quand même, hein. Là, on est où? Putain, c'est que ça m'a l'air grand, hein. Le jeu est immonde. Visuellement, oui, ça c'est sûr. Pour le coup, si vous voulez en parler vite fait de ça, je ne comprends vraiment pas... Ça, je sais que le jeu va bien se vendre. Mais je comprends vraiment pas la... Oh, ça... Ah, putain, merde. Je comprends vraiment pas la stratégie Nintendo de vouloir sortir... Bon, ah, si c'est bon, en fait, j'ai compris la stratégie Nintendo. Ils le sortent maintenant sur Switch, et puis ils le ressortiront avec un petit patch à 20€ sur Switch Pro plus tard. Ça oui, ça d'accord, ça y ça fait à Nintendo. Ou alors il n'y aura pas de patch, et il faudra repayer le jeu 50 balles. Ça c'est leur spécialité les mecs. Mais je comprends pas, vraiment c'est du gâchis. Oh, Korogu ! Oh, le premier Korogu. La première goutte de pisse, les gars. Ok, donc il faut... Faut peut-être que je les attrape toutes. Première goutte de pisse! Ta-da-da-ta-da-ta-ta. J'ai cru que c'était Noya. Mais attends, tu peux me voir? Je suis un Korogu, une fée des bois. Ah, dis-moi, si tu tombes sur Noya, pourrais-tu lui rendre ça? Merci. Allez, première goutte de pisse, les gars. Je sais pas combien ils en ont mis dans celui-ci, mais... Mes amis adorent se cacher, vraiment n'importe où en plus. Un peu comme moi, en fait. Si l'endroit te semble suspect, c'est pour être leur montre s'y trouve. Premier Korogu. 3000. Attendez, il y en avait combien dans le 1, déjà? C'était plus de 1000, je crois. Ou alors c'était 1000 tout pile dans le 1. Mais c'était indécent, hein. C'était 900. Bon, on était pas loin de 1000. Mais le pire, c'est que si vous me dites 3000, c'est qu'ils... Je suis apte à vous croire parce qu'ils en sont capables. Ils en sont carrément capables, Nintendo. Ils sont starbés. Au fait, il a mis où notre objectif? Moi, je fais le tour par là. Et les gars, au bout d'un moment, je visite. Hein. C'est quand même un Zelda. Hein. C'est une fois tous les 6 ans.
Quel gâchis. Oh. Ah. Oh putain, les recettes pic-pic. Ouh, les recettes pic-pic qui vont me réchauffer en hiver. Mais rien que le son, par contre. Là, je suis capable juste d'écouter quelqu'un marcher, de fermer les yeux tranquillou bilou, et de profiter de l'ambiance. Le son des sandalettes des Spartiates de Link sur le sol, c'est classique. Oh, c'est quoi ça? Ok, c'est le vide. Tu peux regarder combien il y en a, non? Ça me paraît un faux chat, 3000. Peut-être, mais c'est pas grave si c'est inexact. Merci Yolem pour le 4 et moi. Il va pas s'emmerder. Ah non, mais vous savez... Ah, la cuisine. Vous savez à quel point j'adore les musiques et le son dans les jeux en général, donc je suis grave attentif à ça. Tiens, mais je vais te le lancer dans ta mère, toi. Et hop. Ah, ça s'est pété direct. Ça fait déjà plus de dégâts, cette affaire. Oh, ça. On va déjà se faire une petite recette, hein, les gars. Alors, est-ce que ça marche comme dans l'ancien? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que je vais me prendre full piment pour l'hiver après. Vu qu'il y a une zone de neige, on a vu. Mais rien que ces sons-là! Bam! Allez, 12 minutes 30, comme ça on est tranquille. Je me fais des fricassés de légumes, hein, j'en ai rien à foutre. Ça devrait passer. Oh. Oh, désolé, ça doit être le gâteau qui bug. Merci everything! Et cette fruit est champi pic pic. Ok. Bon, on va garder ça comme ça. De toute façon, c'est un peu du gâchis de faire des recettes au début du jeu parce que, vu qu'on n'a pas beaucoup de cœurs, vaut mieux faire des recettes qui ont un effet plutôt que des recettes qui donnent juste des cœurs seuls, quoi. Au moins, j'ai de quoi tenir l'hiver. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Bon, je sais pas combien de temps on va jouer, les gars, mais jusqu'à ce que je tombe de fatigue, hein, je pense. Hein. Là, je vous avoue que vous parlez un petit peu, ça m'a regalvanisé. J'ai toujours les yeux fatigués, mais par contre... Oh. Oh, c'est hideux. Oh mon dieu, que c'est laid. Oh, l'herbe, je sais pas comment ça rend vous, mais c'est hideux. Hein. Faut que je jette genre beaucoup plus haut. Ah, de toute façon, ça va pas le tuer, un bâton sur le museau. Ah si, ça le tue. Parfait. Ouais, comme ça, on a de la viande. Ouais, l'herbe, c'est vraiment pas... c'est pas du boulot. Ah, je suis désolé, les gars. Vous allez certainement m'entendre beaucoup me plaindre des graphismes, hein, mais... Bon, là, je pense que c'est impossible. Même un fan Nintendo ne peut pas me dire que c'est beau. C'est pas possible. Ah, tiens. Ouais, vous êtes vénères, les gars. Aïe. Oh, putain. C'est mal, hein, c'est quoi là? Moi, j'avais pas vu ce que t'avais, toi. Je veux ton arme, par contre. Allez, rate-toi, Link, ça sert à rien. Ah! Le tube. Pic, 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 pic. Oh, ça fait zéro dégâts. Voilà. Classique l'arme par contre. Hâte de jouer sur émulateur PC. Mais je suis un peu dans ton cas. Hein. Ah, je vais voir. Hein. En général, la communauté modding émulateur, elle est très rapide pour faire des mods. Il y a déjà un mode 60 FPS, mais qui marche pas très bien sur Yuzu, je crois. Et sur Ryujinx, qui sont les deux émulateurs Switch. Mais ouais, c'est sûr que bon. Si on peut faire tourner le jeu en 4K. Pardon, et en 60 FPS, y a pas photo. Hein. Ah, c'est moi qui fais griller ceci. Mais serre-toi, je t'en prie. Au plus près, c'est la première fois que je te vois. Pardonne-moi mon incorrection. Oh merde, j'ai passé... Ah! Revoir dialogue. Sache que l'un de nos rôles... C'est bien ça. Un autre golem consiste à donner des explications à ceux qui en cherchent. En d'autres mots, je suis là pour répondre à tes questions. Venons-en d'ailleurs à celle que tu viens de me poser. Pour faire griller un ingrédient... Bon, les gars, je sais ça. D'ailleurs, les mecs, pour ceux qui ont joué à Breath of the Wild, j'ai découvert une petite vidéo, c'était aujourd'hui ou hier, je crois. Je savais pas du tout, mais dans le jeu, quand on prend des œufs, si on les amène dans un...
Comment ça, je suis un connard, désolé, je parle en anglais. Si on met les œufs dans un hot spring, ça cuit les œufs. Une source chaude, voilà. C'est classique. Et si on les laisse les œufs par terre, dans la zone où il y a les gorons, là, où il fait super chaud, tu les laisses par terre, ils cuisent. C'est classique, je savais même pas. Genre, le jeu est sorti il y a 6 ans et c'est des détails que... Des trucs que je savais pas. Moi, j'ai envie d'aller là, par contre, avant d'aller là. Je vais aller voir là-bas. Attendez, je fais le tour par... Ouf, ok, je fais le tour par là. Comme la viande. Alors, la viande, ça m'est peut-être déjà arrivé, mais les œufs, je savais pas. Et je crois que la seule façon de cuire les œufs pour les avoir en mode œufs durs, c'est de les mettre dans... dans, justement, une source chaude. Ah, bah, c'est là-haut, en fait, je peux pas. Et là, la petite note de musique, ça fait son effet, hein. Ça va niveau son toujours les mecs ou vous voulez que je baisse un petit peu? N'hésitez pas à me dire hein, que ça ruine pas la VOD. Je vais aller voir au-dessus là, la petite colline. Très bien. Parfait les mecs. J'ai envie de vider, vos actions sont limitées jusqu'à ce qu'elles se remplissent. Ok. Oh, il a l'air d'avoir des trucs là. Est-ce que je me le fais lui? Ça me prend encore de la venaison. Je voulais pas le lâcher. J'avais oublié que j'avais le la détection de mouvement sur la manette pro. Bon, je vais d'abord aller à l'objectif. Je peux pas marquer des choses comme dans l'ancien, voyons voir. Et si je peux. Ok. Je me suis mis un point là pour qu'on aille voir, il y avait des champignons ramassés. Je vais aller voir le temple. Pour de la Switch, c'est beau quand même. Ok. Il y a quand même Super Mario Odyssey qui était super beau pour de la Switch, là, d'accord. Là, ce qui est beau, c'est la direction artistique. En tout cas, c'est sûr que c'est peut-être l'un des open world les plus beaux de la Switch. Ça, d'accord. Mais prenons quelques pincettes quand même. Hein. Peut-être que je me soigne un coup, non? Pas un truc à bouffer par hasard? Une petite paume, ça donne combien? Demi-cœur. Voilà, parfait. Tu me fais pas peur, toi. Voilà, ça dégage. Économise. Le premier boubou! Oh, il est joli, par contre. Ok, comme dans l'ancien. Et éperouillé 5. Mais je le fais depuis tout à l'heure, les gars. Merci Spiarky Spark pour les 5 subs. On remercie le producteur, les gars. Je vais rien savoir. Tadadum. Je vais aller la cam. Oh, me dis pas que je vais devoir aller faire pipi déjà. C'est inutile. Tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir ces portes. Je t'ai surpris, pardon. Ce n'était pas mon intention. Ça me dit quelque chose, la voix. C'est ma voix que tu as entendue tout à l'heure. Et le bras qui a remplacé le tien était à moi autrefois. Là, là, le Fury. Raro. Il est trop stylé. L'enveloppe physique qui était la mienne n'existe plus aujourd'hui. C'est ce qui m'oblige à me présenter ainsi devant toi. J'en pas de pied. Allons, revenons-en à ces portes. Mon bras droit devrait pouvoir les ouvrir. S'il n'avait pas perdu. Putain, la touffe qu'il a possédait. Il existe bien un moyen de les lui rendre. Il te faut trouver un endroit où tu puisses te baigner de lumière divine. Ouh, le hammam. Oui, les sanctuaires de cette île feraient certainement l'affaire. Ah, il est grave stylé, j'aime bien sa tronche. Attendez. Ah, c'est ça les sanctuaires de Tears of Kingdom. On dirait les rafraîchisseurs derrière Wick. Hein. Ah, je préférais le design des anciens quand même. Et toujours à poil, hein, ce bon vieux Link. Hein. On change pas les bonnes habitudes, hein. La porte close. C'est là où travaille la mère de Théorus.
Ah. Alors, ouvrir le journal d'aventure. Vous avez inspecté la porte du temple. Apparemment, pour que vous puissiez ouvrir la porte et poursuivre votre route, votre bras droit doit retrouver ses pouvoirs. Les rubans de lumière verte qui s'élèvent vers le ciel indiquent les sanctuaires. Okay. Bon, si on peut déjà les marquer, comme ça, ça nous ferait gagner un peu de temps. Alors moi, j'avais une petite habitude. Parce qu'ils ont remis... Voilà, les balises. Voilà, les sanctuaires, je mettais ça. Voilà, celui-là. Est-ce qu'on... Ah, tiens, il y en a un là. C'était celui-là. Hein. Ouais, le rouge, c'est l'autre truc que je voulais visiter. Et... Un autre... Pas un, ça. Peut-être qu'il est pas encore visible, le truc. Ou alors il est par là. Écoutez, je vais aller là, de toute façon. Je vais les visiter ici. Ça fait quoi si on tombe dans le vide? J'avoue, je vais... Attends, je vais peut-être sauvegarder avant. On sait jamais. Ouais, bon, c'était sûr. C'était sûr et certain. On a fait une magnifique chute avant, mais bon. C'était sûr et certain. Bon, par contre, tu m'as dit de faire ça, espèce de petit enfoiré. Ouais, obligé de bouffer toutes mes pommes, hein. Ah, regarde-le, lui. Il a un arc, en plus. Oh, l'enculé. Bouge pas de là, tiens. Qu'est-ce que je me prends? Tiens, je vais tester l'épée. Il y en a de la fléchette, en plus, là. Est-ce qu'il y avait... Je me rappelle pas si dans le 1, j'avais déjà tué quelqu'un en mode stealth comme ça, s'il y a une exécution. Ah si. Oh putain, ça one-shot cette affaire. Vieil arc en bois. Bon alors là les gars, vous pourrez vous foutre de ma gueule si je rate la visée parce que... Viser sur un jeu en 30 FPS, bon... Comment vous dire que c'est quand même un tantinet que bah, on va faire un test tout de suite. Ah, ça va. Allez, peut-être dans l'œil. Voilà, parfait. Je pensais que j'allais être plus ridicule. Hop. Où est-ce qu'il est, le truc? Il est... Ok, il est tout en haut. Ah, mais déjà, malheureusement, les gars, hein, malgré toutes les critiques que j'ai pu profaner avant... pardon, Nintendo, hein. Mais bon, bah, ça y est, je suis dedans, hein. Regardez, ce petit coucher de soleil, ça a son charme quand même. Ah, il y a quelque chose, hein. Oh, il y a des champis là-bas, je vais aller choper ça. Avec son tatouage tribal, par contre, faut aller se faire foutre, hein. Il avait un t-shirt triple H, hein, au début du jeu. Non, ça fait son petit effet. J'aime bien, moi. C'est quoi ce bruit, là? J'ai l'impression que c'est pas dans le jeu, c'est un live chat, c'est quoi ça? Voilà, allez hop. On va monter tout en haut. Si c'est dans le jeu, t'inquiète. Okay. Petit champignon. Ah! Il y a l'air d'avoir des trucs là quand même. Bon, faites-moi penser qu'on ira après. Je vais oublier. Ça sert à quoi déjà les champis tempo? C'est pourquoi? Genre quand on les cuisine, c'est quoi l'upgrade qu'ils donnent? J'ai oublié. Il y en avait dans l'ancien, je crois. Ouais, c'est l'endurance, ok. Ouais, c'est quand même intéressant cette affaire. Enfin, c'est surtout... important quand tu veux à la rigueur grimper un truc. Je me rappelle, j'avais passé mes 1000 ans parce que très très tôt dans le jeu, je voulais grimper au niveau de c'est la tour des piafs là, je sais plus comment c'est, le village des piafs. Et je crois qu'il y avait pas mal de grimpettes à faire ou alors tout en haut, je voulais y aller du village piaf. Et du coup, j'avais combiné je sais plus combien de trucs tempo
la combinaison d'escaladeurs et tout. Tempo, c'est vitesse. Ah, oui, c'est enduro, du coup, pour endurance. Ouais, c'est ça. Bon, bah, premier sanctuaire, les gars. Allons-y. Ah, tiens, les temps de chargement, voyons voir. Ça, on n'a pas encore goûté. Oh. Ça va. Ça va, je m'attendais à pire. Putain, mais vous êtes 3000. Bah, merci, les gars. Aussi tard, ça fait plaisir. Raoru, c'est ça, hein. Ah. Te voilà. Tu te trouves dans un sanctuaire purificateur. J'ai jadis baigné cet endroit de mon pouvoir de lumière. C'est cette même lumière qui devrait être capable de rendre à ton bras ses pouvoirs perdus. Ah. Donne-moi ta main droite. C'est Manuel Ferrat qui se fait bouffer le salami. Hein. Oh. Où je la connais cette petite musique. C'est un pouvoir. Wow. La blackface de la main. Emprise. Ce pouvoir permet d'attraper un objet et de le déplacer à distance. Il est possible de faire pivoter les objets attrapés et de les coller à d'autres objets. Ok, donc c'est ce dont parlait Juju. Monsieur Chiez. Ce pouvoir-ci, mon bras le possédait autrefois. Il se nomme Emprise. Grâce à lui, tu pourras saisir et combiner à ta guise tous les objets qui se représenteront sur ton chemin. Tu n'auras d'autres limites que celles de ton imagination. Faisant l'usage nécessaire pour terminer ce sanctuaire, ensuite en prise t'appartiendra. Par contre les gars, je vous le dis, hein, une fois qu'on a accès à l'open world, si on y arrive ce soir, je fais une méga voiture. On va faire une méga voiture avec des tourelles et des trucs comme ça. Hein. Le pouvoir de construction. Ok. Alors est-ce qu'il y a des coffres déjà dans les... Comme dans le premier, est-ce qu'il y a des coffres cachés? Bon, pour l'instant, au niveau des énigmes, on va pas se le cacher. Oh, la petite musique est grave stylée par contre. Je regarde s'il n'y a pas un coffre en fait en hauteur, on sait jamais. Je suis désolé, hein, je découvre le jeu comme un enfant. Oula, c'est bizarre ça. Attends. Ah oui, putain, ok, c'est la direction de la manette qui fait ça. Je veux le remettre droit là. La direction à l'inverse, inversée, j'aime pas ça. Donc là, si je fais coller. Et si je. Décoller, je dois branler la manette? Ok. Ah, c'est bien si je peux le faire à l'infini, genre. Moi je pensais que c'était limité dans le temps. Voilà, si je fais un méga pont. Putain, c'est difficile à contrôler par contre, hein. La pipi. Voilà, on pivote. Ok. Putain, mais alors... Je suis curieux de savoir si tu peux coller un nombre infini de trucs sur une plateforme ou sur un objet. Ou si alors c'est si c'est limité. Parce que là, c'est clairement... C'est clairement infini. Après, à voir si tu peux coller, par exemple, des objets... De l'open world sur le truc. Un petit coffre, on en parlait. Ah, merde. Genre si tu peux mettre des bombes et tout dessus et du coup les décocher une flèche et exploser le bousin. Il y a des limites. Ah, j'ai vu le coffre les gars, vous inquiétez pas. Il y a des limites, il faut qu'on teste tout à l'heure. Ambre brute, bah ça c'était déjà dans l'ancien. Elle se porte un bijou, ouais bon. De toute façon ça je le revendais. Dites-moi si je dis une connerie, mais alors, dans mes souvenirs, moi, je revendais absolument toutes les ambres que je trouvais. Je crois que ça servait à rien, sinon, si ce n'est se faire de l'argent dans le jeu. Je vais voir s'il n'y a pas un truc en bas, on sait jamais. Non, rien du tout. Putain, j'adore le son. Je suis fan. Bon, alors, je suppose qu'il faut pas être trop con et qu'il faut faire la même chose que là-haut. Alors, voyons voir. Par contre, est-ce que je peux y aller là-haut? Oh, la musique est trop cool, par contre. Attendez, j'écoute deux secondes.
Il y a quelque chose. Dans celui-ci, tu peux le combiner avec des flèches pour avoir des effets. Tu parles des objets avec les flèches, c'est ça? Oh, c'est un peu difficile à contrôler, ça, par contre. Hein. Oh, et ça, c'est incroyable, par contre. Non, il y a moyen de faire vraiment des dingueries. Hein. Je suis sûr qu'il y a un truc à aller choper là-haut. Bon, au pire, j'y retournerai plus tard. Ah, oh, les musiques. Je suis désolé, je parle beaucoup de ça depuis tout à l'heure, mais... J'ai l'impression qu'elles sont un petit peu plus présentes que dans l'ancien, déjà. Hein. Pas maintenant pour les armes. Ok. Ah, il y a clairement un truc. Il y a une vibe Twilight Princess. Désolé, il faut remettre dans le droit chemin les haters de Twilight Princess. Vous ne méritez pas de vivre sur cette terre. Hein. Vraiment. Hein. C'était quand même un bon jeu, Twilight Princess. Avec les petites voix comme ça inversées, les trucs comme ça. Voilà, du coup, une orbe, non? Je sais plus comment ça s'appelle, un emblème de je sais pas quoi, de bravoure, j'ai oublié. Lueur bienfaisante, ok, bon, ils ont changé. Cette forme cristallisée de la noble lumière qui a autrefois scellé le mal ancestral brille d'un éclat céleste. Bon bah ce sera pareil pour que dans le premier jeu, je suppose. J'aime bien. J'aime bien. Ah putain. Nintendo, Nintendo. Vous allez voir, hein. Je sais pas si vous avez vu les rumeurs, les mecs, mais apparemment, donc pas de nouvelle console avant la prochaine... Ah, il est là, l'autre sanctuaire. Avant la fin de l'année fiscale. Donc mars 2024. Tu as traversé ce sanctuaire brillamment, je te félicite, cela t'a permis de réveiller un pouvoir. Je pense qu'il te faudra terminer deux sanctuaires supplémentaires si tu veux ouvrir la porte du temple du temps. Je te conseille de placer des marqueurs sur les sanctuaires que tu aperçois au loin, ça t'aidera à trouver ton chemin. Scrute les alentours avec la longue vue de la tablette Prua. Bon, bon, on l'a fait avant. Celui-là, on l'a marqué, non? Par contre, l'autre est en face. Oui, je sais comment on fait. Alors, déjà, ça va jarter. Hop. Et, petite balise de sanctuaire. Voilà. Est-ce qu'on irait pas voir ce qu'il y a là-bas, les mecs? Hot. Ah, mais j'ai l'impression que je peux... Attendez, je vais visiter là-bas avant de retourner ici. Salut Livio. Ah, Unomax s'est fait une soirée G-Mode avec ses potes de Nintendo, apparemment. Bah, c'est pas mal, hein, s'il a inclus des petits trucs comme ça. En fait, je pense que ce qui va le plus perturber dans le jeu, c'est le fait de pas avoir les mêmes pouvoirs que dans le premier. Oh, vous le sentez, le Korogu, là? Allez, hop. Ce qui va me manquer, c'est de pas avoir, par exemple, les bombes carrées, les bombes rondes. Il y avait quoi d'autre? Il y avait l'espèce d'aimant. Et il y avait aussi... bah merde, j'ai oublié le dernier truc qu'il y avait. Bon, vous allez vite m'aider. Ouais, la glace, c'est ça. C'est surtout ça qui va me perturber, parce que du coup, ça t'oblige à réapprendre tout le jeu, en fait. Bon, même, je vous avoue, ce pouvoir-là, ça m'a l'air d'être quand même beaucoup de ressembler à l'aimant. Oh, mais ça, c'est une tempête qui se forme, là. Mais tout de même, il va y avoir un petit peu de réapprentissage, quoi. Hop. C'est totalement l'aimant, mais en mieux. Voilà, exactement, ouais. Alors, du coup... Tac... Ah, c'est pas mal quand même. Mais j'ose pas imaginer dire que... Je sais pas si vous aviez checké des vidéos, les gars, mais... J'ose pas imaginer ce que les gens vont trouver, ne serait-ce qu'en bout de deux semaines, sur ce qui est possible sur le jeu. Parce qu'il y a encore des trucs qui sont découverts aujourd'hui, donc...
Avec ce genre de possibilités offertes aux joueurs, c'est infini le nombre de trucs possibles. Oh, il est là. Raoru ? J'ai déjà oublié son nom. Je vais reprendre des pommes quand même, j'en ai plus. Ah, attends deux secondes, j'ai envie de grimper ici. Il a l'air très cool le jeu. Bah, c'est que le début, mais bon. Après là, c'est ce que je vous avais dit. Hein, c'est très tableau du... plateau du prélude, pardon, 2.0, mais... C'est pas pour me déplaire, je trouvais que c'était une excellente intro de jeu, parce que c'était apprentissage par la curiosité. Il fonctionne toujours. À l'origine, nous les avions conçus pour qu'ils nous assistent au quotidien, nous les apprécions beaucoup. Je suis assez surpris qu'ils continuent à remplir de la sorte les fonctions pour lesquelles ils ont été créés. A vrai dire, cela m'attriste un peu de les voir travailler ainsi, alors que ce qu'ils font n'a plus aucune utilité. Ils parlent de vous, hein. Vous êtes inutiles à la société, hein, les viewers Twitch, hein. Bravo, bravo. Oula. Alors, Banward de bois. Oh, il y a un truc à aller voir là-bas. Regardez droit devant soi, me tenir bien. Oh ! Pardonne-moi, je dois couper du bois. J'étais tellement concentré sur ma tâche que je ne t'ai pas remarqué. Tu es venu couper du bois ? Couper du bois ? Eh bien oui, couper du bois, c'est couper des arbres pour obtenir des rondins. Les rondins peuvent être combinés en tant que matériaux de construction ou débités en fagots de bois. Le bois est très utile, c'est pour cela que j'en coupe tous les jours. C'est pas évident de couper un arbre pour le faire tomber dans la direction désirée. Pour cela, tu m'as surpris en train de me dire que je devais regarder droit devant et me tenir bien en face. Ah mais je te laisse pas en placer une, je suis désolé. Bah putain, oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a avoir une hache qui traîne par ici, j'en ai plus besoin, tu peux t'en servir pour couper du bois si tu veux. Je vais me reposer à présent. C'est ça, feignasse. Alors, on prend les fagots. J'ai envie d'aller là. Ici. Là, ça, je le mets là. À mon avis, on peut y aller. Oula. Ça passe, hein. Putain, ça me perturbe tellement de pas avoir d'énergie. Ah, quoique, je peux peut-être faire le... Je joue peut-être au con, non? Oh, il y a un truc, là, aussi. Oh, le petit raccourci, là. Qu'en est-il de ce nouveau Zelda? Bah, pour l'instant, c'est pas mal. Hache caillouteuse. Est-ce qu'il y a quelque chose dont je peux... Oh, ça va jarter. Genre ça, par exemple. Et merde. Bon. Je vais peut-être faire un pont avec deux rondins, ce sera mieux. Ah, ça rame, putain, quand on est en mode pouvoir spécial, ça rame. Hein. Oh la vache. Ça devrait passer là. Ok, bon. Je sens les carabistouilles de fou qu'il va y avoir dans certains sanctuaires après. Hein. Il va y avoir un patch. Mais je me souviens, dites-moi si je me trompe, mais je crois que... Alors... Ouais, ça je peux le déplacer, parfait. Je crois qu'à l'ancienne, à la sortie de Breath of the Wild, on avait eu le droit à un patch assez vite quand même qui fluidifie un peu le jeu, donc... J'espère qu'on aura un truc similaire quand même sur Tears. Putain, ça passe. Il y a déjà eu un patch. Ah ouais, déjà. Si ça se trouve, je l'ai même pas télé... Oh, si ça se trouve, je l'ai même pas téléchargé. Hein. Un autre froc. De l'ambre brute. J'aimerais bien lui mettre un truc sur les tchouches quand même, mon petit Link. Parce que là, il doit avoir froid, le mec. Hein. C'est quoi ce bruit, là? On l'a entendu tout à l'heure, je sais pas ce que c'est. On dirait une espèce de clocher à la con. Mmh, ok, ça va. Tente la machine volante. De quoi tu me parles, l'animal, là? Oh là, attends, ça m'a l'air grand, cette affaire, là. Le sanctuaire, il est ici.
Il y a l'air d'avoir un milliard de trucs. Je vais aller là déjà. Ne fais pas de bruit, je suis en train de chasser. Je chasse les créatures sauvages qui résident dans cette forêt. Tiens, c'est la première fois que nous nous voyons, n'est-ce pas? Sache que l'un de nos rôles à nous, autres golems de Twitter, consiste à donner des explications à ceux qui en cherchent. Faire du mansplaining. N'hésite pas d'ailleurs à t'adresser aussi à mes collègues, ils sont heureux d'éclairer ta lanterne. Venons-en à ta question. Oui, je chasse. J'ai le droit. Cela consiste à abattre des créatures sauvages comme celles qui vivent par ici. Elles sont très nourrissantes, mais également extrêmement méfiantes. Si tu veux en attraper, il est essentiel de s'accroupir afin de ne pas faire de bruit. Bon, allez, le petit tuto. J'ai vu un truc, là. Oh oui, on va bander sec. Voilà, merci. Ça, c'est du steak gratuit. Oh, il est encore là-haut, Raoru. Oh putain, ça rame dans la... Oh, dans les hautes herbes, ça rame, ma poule, hein. On va avoir un truc à péter, là, aussi. Flèche en bois. Je prends. Oh, c'est quoi ça? Un pic-pic? Ah non, une pomme. Hmm. DL le patch? Vous voulez qu'on vérifie s'il y a un patch? Attendez, je vais regarder. C'est vrai qu'on sait jamais. Après, ça m'étonnerait. Vous attendez pas à ce que ça... À ce que ça corrige absolument tous les mecs. Hein. À mon avis... Non, bah on a le patch. On a le patch. J'ai dû le télécharger en préchargeant le jeu, je pense, les mecs. Mais faut pas s'attendre, surtout un patch dans l'heure comme ça, faut pas s'attendre à ce que ça fluidifie le jeu de fou. Hein. Marche toujours le sprint en sifflant? Bah je sais pas. Oh! Je sais pas du tout, je t'avoue, si on a déjà la possibilité de siffler, vu qu'on n'a pas encore de cheval. Non, marche plus. Merde. C'est quoi ce patch de con, là? Es-tu free agent? Eh non, les gars, désolé, je suis signé en agence. Je suis signé en agence, donc no free agent for myself. Désolé, les mecs. Not free! C'était où, le sanctuaire? C'est pas là du tout, en fait. Je vais essayer de grimper. Des plans pour la TwitchCon où tu viendras pas? Non, les gars, la TwitchCon, c'est... J'ai vu un clip d'Antoine Daniel qui en parlait, il a totalement raison, c'est du vol, enfin je suis désolé. Tu fais payer 75 balles une place pour une convention de merde où tu vas juste avoir peut-être la possibilité de croiser des streamers. C'est de la merde, c'est clairement de l'arnaque. Hein. Désolé Twitch, hein. Vous pouvez me siffler dans les oreilles si vous voulez, mais on n'ira pas à la TwitchCon. Ils se font plaisir quand même, les enfoirés, sur le prix des billes. Hein. Je l'ai peut-être pas mis assez fort. Bon, clairement, les pauvres gens qui vont payer. Du coup, c'est sur deux jours. Les pauvres gens, ils vont payer 150 balles pour. Ah! Pour espérer voir leur streamer préféré. Et il y a quoi dans cette TwitchCon? Des stands avec des marques qui payent pour être là, pour vendre leurs trucs. En fait, les gars, vous attendez même pas une Paris Games Week, parce que, à la rigueur, la Paris Games Week, vous pouvez peut-être jouer à des jeux qui sont pas encore sortis. Mais là, à part trouver, je sais pas, des stands de boissons énergétiques avec de la poudre pleine de cancérigènes, et avoir des stickers, à la rigueur, des stickers Twitch, des casquettes Twitch. Bon, bah, voilà, hein. L'intérêt est nul, hein. C'est combien le prix de la PG, déjà, Marcel, t'as l'air de savoir. Qui des streamers FR sera à la TwitchCon? Bah, y en a pas mal quand même. Hein. Après, je suppose que comme l'année dernière à la TwitchCon, bon, si les streamers se déplacent, à mon avis, c'est aussi parce qu'il y a peut-être un billet à se faire. Hein. Je vous le cache pas, les mecs, l'année dernière, il y avait un petit concours pour se faire au moins 10 000 euros. Là, je sais pas ce que c'était. Il y avait Luthi qui faisait le T-Rex en faisant cache-cache sous la couette. Là, j'ai absolument rien compris. Donc à mon avis, il y a certainement un billet à gratter là-bas, c'est pour ça qu'ils y vont. Hop là. Mais ouais, même moi, si j'étais genre un fan
d'un streamer, j'aimerais même pas y aller, quoi, parce que... Allez, dans l'œil. Voilà, parfait. Si c'est pour que vous vous pétiez le cul comme Adriana Chechik dans une piscine à bulles, bon bah les gars, restez à la maison, hein. Attaquez-moi. Hop là! Calme-toi, Link. Oh là, on va avoir du stuff. Tadam! Qu'est-ce qu'on dit, les gars? Qu'est-ce qu'on dit? Ah merde, j'ai plus de place. On va virer les branches. Hop. Bon, je sais pas si ça se revend, mais je prends. Hein. Un petit boubou. Merci qu'il y a deux nams. Il a l'air d'avoir un truc là-bas, je vais aller voir. C'est quoi ce machin? Attendez, il est où le... Il est où le chien? Ok, il est là-bas. Je vais aller voir là-bas ce que c'est. Aïe! Bah ça va la vie là? Putain, il m'a enculé le bousin, c'était quoi qui m'a foncé dessus là? Ah mais c'est un Kologu! Je veux rejoindre mon ami, bah alors? Qu'est-ce que tu fais là ma poule? J'ai perdu mon ami, c'est vraiment trop la poisse. Ah mais tu peux me voir, dis. C'est l'un qui cherche Terra. Je suis un Kologu, une fée des bois. Mon ami et moi, on parcourt le monde. Enfin, on le parcourait, je l'ai perdu. Visiblement, il m'attend en faisant des signaux de fumée. Oh putain, le fumeur. C'est mouette, hein. Il faudrait que je le rattrape sans tarder. Le problème, c'est que je suis tellement fatigué que je ne peux plus bouger. Mais toi, avec toute la merde que tu te trimbales sur le dos. Ah bah, on va te faire un radeau, ma poule. Par contre, ça m'a l'air un peu petit, ton affaire, là. Hein. Je vais péter l'arbre ici, ce sera peut-être plus large. Oh, ce bruit-là aussi, j'adore. Alors, si je te fais ça... Je vais tenter un truc artisanal, je sais pas si ça marchera. Je vais tenter ça... Oh la vache, ça rame. Ressortez un patch, Nintendo. Ressortez un patch, s'il vous plaît. Oh. Mazette. Oh. Mon dieu. Ok, on va faire ça plutôt. Voilà. C'est pas évident hein, de manier ce bousin. Est-ce que je peux te prendre avec moi, toi? Oh, je peux le prendre comme ça. Bah viens là. Oh si je peux le coller c'est classique. Allez. Allez au pilori là Mad Max. Faire ça. Oh merde. J'étais obligé de le passer de l'autre côté. C'est pas tout à fait facile de manier ce truc hein. A pagnon. T'avances pas? Ok, c'est bon. Je te suis, ma poule! Oh, c'est incroyable, ça, par contre. Non, ça, c'est trop stylé, je veux rien savoir. Hop! Pagnon! Tiens-le, ton pote, là! Oh la vache, comment il gueule! T'as amené mon ami? Trop super! J'ai pas grand chose à donner pour te récompenser. Ah si, tiens. À x2, putain, parfait. Sauf que t'as cloué un mec sur ton bateau. Bah ouais, mais ça marche. Et si on le jetait dans le vide? Ah, malheureusement, je peux plus. Et... Bon, si on... si on en recroise un... Si on en recroise un, je m'en occupe. Le coffre? Le coffre. Il y avait un coffre?
Il était là-bas? Je l'ai même pas vu le coffre, les mecs. Le coffre que t'as débloqué en tuant les mobs. Ah, quel con! Attendez, il était où? Ouais, mais là, je peux pas y... À moins que si je descends et je... C'était par là, non? Bon, peut-être en revenant, les gars. Là, je suis con, j'ai oublié. C'est parce que je vous parle, ça aussi. Oh. Petite flèche. Bon, ça marche sur moi, hein. Désolé les mecs, j'adore. Ça, je sens que c'est le petit jeu, je vais faire... Je vais me mettre dans le lit avec Emmanuel, lâcher des petits proutes sous le plaid. La portable, la Switch en mode portable tranquillou bilou. Et on profite. Ah, avec... Attends, si... Si je mets la voile... Peut-être remonter si je mets la voile. Le vent soit avec moi, mais... Ah, attendez, je teste un truc. Non, pas assez fort. Pas assez fort. On va être obligé de descendre pour remonter après. Oula ! On va faire un truc beaucoup plus simple. Oh la vache, les FPS quand tu... Quand tu jauges. Oh, qu'est-ce que ça est? Allez, rapproche-toi. Allez, t'avances, hein, ma belle. Et donc, sanctuaire là-bas. Allez, hop. On y go. Voilà. Que je vous dise, les gars, je suis client. Putain. Oh, la grosse masse, je la veux, là. Gourdin! Est-ce que j'ai pas encore une branche pourrie dont je peux me débarrasser? Voilà. Allez, hop, ça, ça dégage. Tu peux plonger dans celui-là? Oui, oui, on a plongé tout à l'heure dans l'eau. Bon, je suppose qu'il va falloir se faire un radeau pour aller là-bas. Est-ce que juste... Ouais, il y a l'air d'avoir de quoi se faire un radeau. Est-ce que vous vous rappelez où c'était, les mecs, le coffre que j'ai raté? Ah, malheureusement, à mon avis, j'aurais... Ah, j'aurais peut-être pas assez d'énergie pour remonter, là. Ouais, non. C'est pas grave, on y retournera plus tard. Je vais pas avoir assez d'énergie, c'est sûr. Oh! Vous êtes costaud, les gars. Les chuchus bleus. Je les chuchus. Et donc ça, d'après les trailers, ça aura une utilité, genre, pour aller lancer sur les ennemis. Viens là, toi. Essaie de te faire des plateformes pour escalader. Ouais, mais j'ai envie de faire le sanctuaire, les gars. J'ai envie d'aller sur le sanctutu. Je vais me recouper un petit arbre. De toute façon, on pourra se téléporter normalement au sanctuaire, donc... Oh, un gland. Tiens, Marcel. Même mon bonjour à Zelda, je pense à toi. Hop. Je commence à prendre le coup de main là-dessus, mais c'est un peu laborieux. Hop là. Et direction... Le Maroc. Non, ça c'est incroyable par contre. Ah, c'est trop stylé, mais je m'imagine... Ah putain, j'ai envie de, j'ai envie de faire une voiture. Ah, oh, j'ai envie de faire un Mega Bloks. Sur Switch OLED... oui, mais Swoonix, sache que la Switch OLED n'est pas plus puissante que la Switch basique. Hein, elle a juste un meilleur écran. Hein. C'est exactement les mêmes performances entre la Switch basique et la Switch OLED.
L'intérêt, en fait, ce qui est incroyable avec la Switch OLED, c'est vraiment très très beau de jouer en mode portable. Pour le coup, l'écran, il... ça paraît pas comme ça, mais vraiment, ça change la donne. Hein. Déjà, il est plus grand, l'écran. Et surtout en termes de richesse de couleurs. Parce que là, c'est assez terne. Hein. Je pense que sur la capture, vous voyez un peu aussi. Mais il y a comme une espèce de petit filtre, on va dire, pastel. Je pense que ça se remarque sur la capture. Sur la Switch OLED, à mon avis, ce sera pas comme ça. Si t'as une TV OLED, ça revient au même, non? Oui, c'est ce que je viens de dire. L'intérêt de la Switch OLED, c'est de jouer en mode portable. Ce qui change avec la Switch OLED, c'est l'expérience de jeu en mode portable. C'est tout. Alors, toi, le pigeon. Voilà. Ils sont pas trop solides, ces débiles, hein. Alors, Sanctuary. Deuxième sanctuaire, les mecs. Huip. J'aime beaucoup pour l'instant. Et le port Ethernet intégré aussi. Ouais, c'est vrai. Sur le dock, ils ont mis le port Ethernet en version native. Heureusement, d'ailleurs. La Switch Lite, ça va? J'en ai une Switch Lite. C'est le même écran que l'ancien. Il est plus petit, par contre, que l'ancienne Switch. Mais franchement, c'est une bonne console. Je m'en suis servi... je sais pas pourquoi j'en avais acheté une. Acheteur compulsif livre de merde que je suis. Mais ouais, c'est une bonne console. Si vous avez un peu moins d'argent, c'est vraiment une bonne console. Go Legit, tu vas trop kiffer le jeu. Niveau histoire, c'est dément. Mais... ça me plaît déjà, en fait, même si là, on est d'accord que c'est vraiment, pour le coup, le même tuto que dans le 1, avec les pouvoirs différents. Mais je sens déjà que rien qu'en termes de possibilités de gameplay, il y a l'air d'avoir déjà beaucoup plus de façons de réussir. Ah, amalgame, c'est pour fusionner les armes, ça. Ah, j'ai trop envie de tester ça. Ce pouvoir-ci, mon bras le possédait autrefois, il se nomme amalgame. Ah, c'est lui, tu pourras fusionner n'importe quel objet avec tes armes ou ton bouclier pour les rendre plus puissants. Ça, en vrai, c'est bien parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient du fait que les armes se cassaient. Là, si tu sens qu'une arme va se casser, tu la fusionnes avec une autre arme, enfin avec un autre élément, et du coup, ça la renforce. Donc ça pallie un petit peu à ce souci-là. Donc c'est grave intelligent, en vrai. Vu que c'était une plainte des joueurs avant. Donc choisir un pouvoir, est-ce que je peux tester avec... Ok, c'est ça direct. On va tester. Est-ce que typiquement... bon, je suppose que... ah ouais, non, sinon je vais ruiner. Est-ce que je peux détacher après un truc si je l'amalgame? Vous savez ça ou pas, les gars? Genre, si j'amalgame l'épée avec un truc, est-ce que je peux le désamalgamer? Oui, tu peux. Attendez, je vais tester un truc. Est-ce que je peux amalgamer? Genre, ça qui est bientôt cassé. Eh ouais, je peux. Putain, ça fait une double épée. Oh la vache, la taille du bousin. Et si je veux désamalgamer... merde. Tu m'as menti, Marcel. Tu te fous de ma gueule, là. Oh, j'ai perdu la grosse épée. Oh, le fils de pute de Marcel. J'espère que ça marche comme ça. Hein. Ok, ça va. J'ai failli insulter toute ta famille. Et attends, si je fais ça... ah, ça n'a aucun sens. Attends, ça donne quoi quand je cours? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est I2. Ah, c'est I2. Putain, va y avoir des combos qui vont être vraiment très très laids, je le sens. Hein. Est-ce que ça marche si je fais ça? Oh, merde. Par contre, il attaque vite, hein. Ouais, c'est très moche, mais par contre, ça peut peut-être donner des... comme je vous dis, de la nouvelle durée de vie au truc. J'aime trop la musique des sanctuaires. Oh, il y a un truc là-haut, là. Fruit de feu. Avec l'arc. Je peux pas le ramasser, toi? Alors. Attachez rapidement un matériau à vos flèches. Gardez l'arc bandé. Maintenir, sélectionner. Putain, j'en ai de la merde, hein.
Ok, bon, ça c'est classique par contre. Oh, ça c'est incroyable. Oh, ça c'est trop stylé, putain. Non mais le nombre de solutions qu'il va y avoir pour tout, c'est trop stylé. Petite clé, cet objet mémorique permet d'ouvrir les portes à l'intérieur des sanctuaires purificateurs. Ah putain, c'est trop bien ça. Attends mais, écoutons la musique 2 minutes. J'ai envie d'être dans un bain moussant là avec cette musique. Par contre c'est sûr et certain que la prochaine fois que j'ai la possibilité d'améliorer un truc, je prends de l'endu, hein. Fissa. Je vais passer encore 50 ans sur le jeu, je vais adorer jouer au jeu, putain de merde. Oh. Oh alors toi tu vas manger. Avec toutes mes armes en bois là, enfin en pierre. Ah lui aussi il peut. Enfoiré, va. La musique est trop bien. Oh le bâtard, j'ai pas vu. Je tente un truc. Allez hop. On va amalgamer. Bâton. Bâton bois. Ok, je vais tenter un truc. Et c'est pas mal. Ouf ! Ça dégage. Très très stylé là. Ah, attends mais j'imagine pas s'il y a des armes de dingue comme à la fin du 1 et tu peux les amalgamer avec n'importe quoi, c'est trop cool. Oh le petit bâton là, c'est quoi ça? J'ai pas de place, est-ce que je peux jarter un truc pourri? Ah bah j'en ai un bâton. Oh le classique. Oh le classique, le gratte-cul. Oh ça pour les chromoles les mecs, le classique. Ce dont tout le monde rêve est dans Zelda Tears of the Kingdom. Désolé de vous le dire. Le gratteur à chromoles c'est un classique. En plus c'est ultra rapide comme arme ça. Ah putain ouais sur le bouclier c'est pas con, je vais en mettre un aussi sur un autre. Comme ça au moins j'aurai 12 setups qui piquent. Hop. Voilà, parfait. S'il y a un truc genre... je sais pas si je peux amalgamer. J'ai pas testé. Bon, faites-moi penser les gars, quand je ramasse un nouveau bouclier, je vais tester d'amalgamer un fruit de feu avec un bouclier pour voir si quand on me donne un coup dans le bouclier, ça envoie du feu. Est-ce que je peux passer ça? Ouais, on a déjà vu tout à l'heure. Goûtez Jean-Marc. Bon bah... C'est pas moi, hein. Pour ceux qui sont là pour la première soirée, ce n'est pas moi. C'est quelqu'un de la Cacabox qui a écrit ça. C'est pas moi, les gars. Ce n'est pas moi. Il a paru pile au moment où il y a eu le tan tan tan. Ah, désolé, les gars. C'est pas ma personne. Ouais, ah, si ça se trouve, c'est Nintendo. Hein. C'est Nintendo. Hein. Les devs de Nintendo qui intègrent un message. Ah, mais c'est eux, putain, les bâtards. J'ai eu des doutes, hein. On est en France ici. Je suis venu car j'ai oublié de te donner quelque chose. Tiens, c'est pour toi. Oh. C'est que ça. Batterie. Cet artefact que vous a remis un golem est facile à transporter. Il est conçu pour se fixer à la ceinture. Je viens de te donner une batterie. Tu en auras besoin pour te servir des artefacts Sonaos, les outils que l'on utilise sur ces terres. Il n'y en a pas ici, mais... Va parler à un golem qui se trouve à l'autre bout de la grotte, là devant. Il devrait pouvoir t'apprendre à t'en servir. Ok, fais bon usage de la batterie que je t'ai donnée. Ça marche, ma poule. Hein. Alors par contre, ça, si je peux pas le détruire... C'est qu'il y a un souci. Incroyable. Que demande le peuple?
Mode coop sur ce jeu, ça serait pas mal. Mais je crois, les mecs, il y avait eu un mode coop sur le, la version émulateur de, du 1. Devinez quoi, Nintendo, les bandes mou, ils ont décidé de, quoi, de faire quoi? Je vous le donne en 1000. Eh ben, de down le mode. Parce que les gens s'amusaient trop sur un contenu non officiel. Oh, c'est Terra qui m'en avait parlé, il voulait qu'on teste en live, mais bon, ça s'est fait down le deuxième jour, donc enfin le surlendemain quand il en avait parlé, donc c'est dommage. Nintendo, mesdames et messieurs. Ils vivent vraiment dans l'ancien temps par rapport à ça, ils abusent. Hein. Oh. Ah bah putain, des Corogons, on va en avoir, hein. Ça dit quoi? Bah pour l'instant, c'est très bien, lui, Watt. Je suis en train de tomber sous le charme, hein. Je sens que je vais y passer beaucoup de temps. Oh pardon. je vais niquer la gueule. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose là-haut? Non, pas de petit nid. Alors on m'a dit que c'était là-bas. Hein. Le sanctuaire il doit être là-bas du coup le dernier. On avait vu une espèce de... Ah bah elle est là non? Ouais la tourelle elle est là-bas. Ça doit être une sorte de boss. Celui-là on l'a fait... On en a plus qu'un à faire là. Vous m'en voulez les mecs si je vais faire pipi? Parce que là je vais me pisser dessus. Hein. Je vous laisse avec un peu d'ASMR Zelda. Je vais faire pipi, je reviens tout de suite. Ça va durer même pas 2 minutes, à tout de suite. C'est pas l'Europe ici, c'est pas la France, monsieur. Si je veux m'amuser, je m'amuse. C'est encore toléré ici. Pisser sur la jambe. Hein. Allez, c'est mervant. Ah, bon, est-ce que ça vous plaît pour l'instant, les gars? En vrai, là, je suis bien motivé. Hein. J'aimerais bien qu'on finisse le tuto. Ce serait sympa qu'on aille jusqu'au moment où on se barre de là, quoi. Ouais, mais j'attends la suite. Vous inquiétez pas, les gars, on y va. On y va, on y va. Alors, est-ce que je peux... Non, c'est pas ça. Est-ce que par hasard... Ça fait ça. Ça les one-shot? J'ai pas compris ce que ça fait, si c'était de l'eau ou si c'était du... de la glace. Je vais retenter. Oh la vache, le machin. C'est pas l'Europe ici, c'est pas la France, monsieur. Si je veux m'amuser, je m'amuse. C'est encore toléré ici. C'est encore toléré ici. Il a bien raison, le sire. Ah, le sire. J'espère qu'il va jouer à Zelda, le sire, hein. Ah, c'est de l'eau, ok. Ah, donne-moi ton arme, toi. Ou alors, toi. La caption, elle était longue, hein. Ah, ça dégage. Et dis donc, le pic-pic. Oh la vache, les dégâts! Oh! Ouais, mais j'ai pas mon paravoile! Putain, les dégâts du pic-pic, c'est impardonnable, hein. Est-ce que j'ai plus de slot là, on est d'accord? Ouais, bah écoute. Adios. Éventail, et du coup ça fait du vent. Et oui, ça fait... Oh, le petit coffre! Amalgame, truc de feu et bouclier.
Tu me donnes des ordres là, Zimu. Tu sais qu'en un clic, hop, ça peut dégager ton histoire. Attention, hein. L'âme de soldat. Oh, dis donc. Ah, ça c'est bien, on peut jarter. Ça y était pas dans les anciens, ça. Il fallait qu'on enlève manuellement. Bah vas-y, échangez ma poule. Merde. Ouais, échanger avec ça. Très bien ça. Bon, c'est vraiment... Bon, c'est la bite de Théorus quand même, la taille du bousin. Alors, vous m'avez dit... Alors, ceci dit, ça voudrait dire que... Sortir... Et là, par exemple, si je fais... Je peux donc amalgamer avec ça. Amalgame a déjà été utilisé sur... D'accord. Attends, je vais tester sur une autre arme. Genre ça. Ok, on va tester. Ah mais non, mais là, ça va me faire une torche, non? Attendez, on va tester. Oh, le petit poiscaille, par contre. Je veux de la poiscaille. C'est bien là, la grotte dont il parlait, le mec, tout à l'heure. Nouveau. Grotte du bord de l'étang. Graine lumos. Cette graine provient d'une plante qui pousse dans les grottes et les puits. Un choc suffit à la faire germer pour produire instantanément une fleur diffusant de la lumière aux alentours. Ok. C'est quoi amalgame? En gros, amalgame, c'est un pouvoir qui te permet de... fusionner... n'importe quoi. Ok, ça fait bel et bien du feu. Et ça fait une torche. Ok, le classique. Ça te permet de fusionner... Merde, un élément avec une arme ou un bouclier. Donc c'est trop stylé. Je sais plus si je pouvais faire... Je crois que si on fait à bouffer avec ça, ça rend un truc dégueulasse, non? Ou alors toi... Cristal de sel. Le roi du sel. Cérébos. Sardoche, le roi du sel. Oh putain, alors toi... C'est quoi cette merde, là? Dans ta mère. Oh, c'est quoi ça? Il a disparu le bousin. Le goat Mister MV qui a dit qu'il voulait pas aller à la Zilan pour pas serrer la main à Sardoche. Je t'aime, Xavier. Je t'aime. Ouais, je peux péter ces deux trucs là du coup. Bon, de l'autre côté. Oh la vache! Ah si, ah merci, si je pouvais avoir autre chose que des cristaux de sel. D'ailleurs Xavier, il a été très très bon ce soir. Il a fait une petite action de fou à la fin là, chez Domingo. Je redis, mais... Je suce un petit peu, ça fait du bien par où ça passe. Très très bon live, Domingo, ce soir, j'ai bien aimé. Je disais à Pota, du coup, parce qu'on regardait ensemble, j'ai presque envie de me mettre à regarder du basket, parce que lui aussi, il regarde un peu de basket, Pota. C'est que, vous savez où est-ce que ça diffuse le basket en France, où est-ce qu'on peut regarder, les mecs? Parce que j'en en ai aucune idée, hein. Oh! Vieille toge! Oh, il est stylé comme ça. J'ai des sites. Tu me donneras les sites, hein, pota. Non, mais si ça se trouve, je suis déjà abonné à un truc qu'il diffuse. Prends NBA Pass, Beansport ou League Pass. Sur la télé, c'est à 3h du mat. Ouais, bon. Je regarderai le lendemain, quoi. Sur Bean, mais c'est à 2h souvent. Ouais, bon. Après, ça m'est déjà arrivé de regarder du catch hyper tard aussi, les mecs. Hein. Genre, les pay-per-view, c'est jamais à 21h. Hein. Oh, c'est beau, là. Qu'est-ce que tu me veux, Raoru? Je vais me débarrasser de ça avant. On va péter ça, tu vas me dire. Il y a des matchs à 4h, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Quel enfer. Ça va, c'est bon. Le golem cuisinier et le golem charpentier. Par exemple, nous finîmes par avoir de nombreux golems. Attends, il m'a dit quoi au début? J'ai pas vu. Le golem assistant fut le prototype. Après cela, d'autres golems suivirent à qui nous attribuâmes différents rôles. Ils parlent bien. Nous étions leurs créateurs, mais leurs connaissances étaient plus étendues que les nôtres.
Et au final, nous avons beaucoup appris à leur côté. Je te conseille vivement de leur parler, ils auront certainement des choses à t'enseigner. Donc c'est les backseaters, quoi. Les radeaux qui permettent de traverser d'une berge à l'autre sont cassés. Normalement, c'est d'ici qu'on achemine les ressources sur l'autre rive, mais tout est à l'arrêt. Au moins, les artefacts Sonao sont intacts, c'est déjà cela. Tu ignores donc jusqu'à l'existence des artefacts Sonaos ? Laisse-moi t'expliquer ce dont il s'agit, car ils sont d'une importance vitale par ici. Ce truc vert que tu vois là, on appelle ça un artefact Sonao. Celui-ci, c'est une turbine, il suffit de le frapper pour qu'elle... Mais je crois que cette zone, on l'avait vue dans un trailer de gameplay. Hein. Ou dans les previews de Julien Chiez, je crois que j'ai vu ça. Tu l'as compris, les artefacts Sonaos sont extrêmement utiles. Toutefois, l'utilisation des artefacts Sonaos requiert de l'énergie. En clair, il te faut une batterie. J'en ai une. Ok. Je vais t'expliquer comment elle fonctionne, ce sera plus sûr. Les batteries contiennent l'énergie requise pour faire fonctionner les artefacts. Elles se rechargent automatiquement quand tu n'utilises pas d'artefacts. Je te conseille tout de même de faire attention quand tu t'en sers pour éviter que la batterie se vide en cours d'usage. Voilà, l'explication a pris du temps, mais ce qu'il nous faut à présent, c'est un radeau. Utile, tu verras, il suffit de faire preuve de créativité. Ok. Le backseatage, hein. Et je vais aller voir ce qu'il y a au bout. Je suppose qu'il faut aller là-bas, mais bon, j'ai quand même envie d'explorer un tantinet. Elle aurait dit FNBA au matin en version courte sans temps mort. Est-ce qu'il y a des versions Kai des matchs NBA, les mecs? C'est ça ma question. Est-ce qu'il y a des versions Kai? Comme pour One Piece. Disponible quelque part. Oui, sur YouTube. Il y a un coffre là. Ça dépend les arcs. Sur la saison 34 de la NBA là. Bah écoutez les mecs, vous avez compris ce que j'ai demandé au moins, hein? Putain, il a glissé ce con-là. Bon, j'aurais peut-être dû courir. Au moins, il y a un coffre. Désolé, je vais me concentrer à un tantinet. Hop. Oh, attends, bouge pas ma poule. C'est ça, bouffe bien. Bouffe bien, sale merde. Oh la vache! Oh putain de merde! Les dégâts! Oh! Ouh, ça fait mal! Je vais utiliser les pic-pic. Oh l'enculé! C'est pas vrai! J'étais obligé de mettre ça alors que c'est anti-froid, il casse les couilles. Je vais lui mettre un coup d'eau dans le nez. Oh, encore un coup comme ça. Ouais, ça, il aime pas. Aïe! Non, 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 non. Pas maintenant, pas maintenant. Et plus de pommes. On est libéré! Ça fait peur, ce con, là. C'était quoi ça? J'ai rien compris. J'ai compris Johnny Hallyday, qu'est-ce que c'était que ça? Mmh. Ah. Peut-être que j'utilise ça, non? Comment ça rame? C'est pas du joli, hein. Je vais tenter un truc. Oh, genre, tu peux pas le prendre. Salut, Tad Morve. Ah, si, je sais ce que je vais faire. Ah, il faut penser avec sa tête, hein. Hop. Voilà. Est-ce que ça passe par hasard? Oh la vache! Oh le cerveau de fou! Voilà, ça c'est de l'intelligence. Un esprit de déduction peu commun.
Ambre brute. Ceci dit, comment je vais faire pour remonter par là? Tout ça pour un trésor pourri. Hein. Hugo amalgame un tronc. Rizarbi, la prochaine fois que tu backseats, bah c'est simple. Ta mère déménage à mes côtés. Hein. Tranquille. Est-ce que ça passe par là? On est capable, Link, non? Après, c'est une chance hein, que je t'offre. Hein. T'en ressortiras grandi hein, de cette expérience, je te le dis tout de suite. Hein. Attends, je vais voir quand même s'il n'y a pas un truc là-haut. Quoique c'est de là que je viens, non? Je me rappelle plus si on y allait sur ce tronc. Je suis désolé les mecs, hein, mais j'ai jamais exploré moi. Hein. Oh. Oh, alors ça... Je suis pas la moitié d'un con. S'il n'y a pas un trésor à la fin. Goutte de pisse. Déjà 1 milliard de noix Korogu. Il y a d'autres streamers qui en ont trouvé autant? Je crois pas. Bon, on va faire le radeau du coup. Mais c'est ça, mais qu'est-ce qu'on kiffe? Mais qu'est-ce qu'on kiffe quand on explore dans un jeu vidéo et qu'on trouve des trucs par hasard? Qu'est-ce qu'on kiffe, les mecs? Ah! Voilà, la crotte de Shigeru Miyamoto. Alors, est-ce qu'il y a un truc là-haut? Bon, bah là, c'est radeau jusqu'ici, je suppose. On va pouvoir tester les réacteurs. C'est hideux, par contre, quand ça rame comme ça, là, en mode amalgame. Alors, c'est dans quel sens, par contre? Comme ça, ou c'est... Ouais, ça a l'air comme ça. Allez, viens là, toi. Hop. Oh, ça, c'est trop stylé aussi. On va aller voler dans le ciel, les mecs. On va voler dans le ciel. C'est trop stylé. Et donc, je suppose que ma batterie, vu qu'elle a 1 milliard de slots, je vais pouvoir améliorer sa... Sa quantité d'énergie fournie. Oh, il y a du champignax là. Je vais reprendre le pic-pic. Il y avait un caillou Korogu sur le trive. C'est du backseat ça encore, espèce de sale con. Je vais sévir, hein. Quand t'allais par là, toute cette zone fait partie d'une région montagneuse très accidentée. De t'adapter à ton environnement. Je suis là pour parler des précautions de sécurité élémentaires à ceux qui veulent suivre ce chemin de montagne. Est-ce que tu veux les entendre? Oui, bah vas-y. Quand tu es en montagne, il est vital de savoir... Bon, allez, allez, c'est bon. J'ai joué au premier. Voilà, merci. Ça, c'est vraiment pour... C'est vraiment les mobs pour vous apprendre le jeu. Si vous n'avez pas joué au 1. Du coup, tampon, on a dit que ça servait à quoi, les mecs? J'ai oublié. Enduro, du coup, c'est pour l'endurance. Et tempo, c'est pour la vitesse, non? Ouais, vitesse. Je me souviens même plus. On avait vu le boss... Enfin, l'espèce de... truc qui ressemblait à un boss, là. Le Rubik's Cube géant. Je sais plus s'il était dans le coin. De toute façon, on va prendre de la hauteur. On va certainement le revoir très vite. Merci pour la gelée, toi. Tu peux jeter des objets à la main? Bah, je pense, ouais. Si je vais sortir... Ah. Ça voudrait dire que je suis obligé de faire... Prendre... Au loin.
Ah non, je peux pas les lancer. À la rigueur, ce que je peux faire, c'est amalgamer une arme avec un fruit de feu. Bon, en fait, c'est beaucoup plus intelligent de prendre une flèche, de l'amalgamer avec un truc de feu et de la balancer. Plutôt que de lancer l'objet. Oh, un petit donjon, là. Un petit donjon. Oh, putain, tu m'as vu, toi ? Bon, c'est eux qui font des dégâts, faut que je fasse Bellec. Ah, j'arrive pas à viser avec la détection de mouvement, c'est trop bizarre. Allez-y, balancez-moi de la merde. Voilà. Oh, je vais mourir. Putain, j'ai rien en plus pour me soigner. J'aurais dû faire de la bouffe, je suis trop con. T'es mort. Bébé. Oh non. Oh, le jeu il a bugué. Je suis mort. Oh, il m'a fait peur ce con. Non. Ouhouhouhou. Voilà, ça dégage. Merci. Tadam ! Oh, ça c'est un méga coffre par contre. Qu'est-ce que ça rame cette affaire par contre là ? Oh, la vache ! Mais c'est délire, pour jeter un objet, il faut d'abord appuyer sur R. Attends, je vais tester du coup. Donc, si je fais R... Ah ouais, d'accord. C'est pas simple hein, quand même. Hein. Il y a beaucoup de touches, hein, de combinaisons de touches différentes. Hein. Ok, merci pour l'astuce du coup. Oh, pomme grillée, parfait. Vu que j'ai balancé un truc de feu. Ah, merci pour l'astuce. Ah, du coup, R en mode lancé. Merde. R en mode lancé pour mettre un objet dans ses mains. Faire ça, puis faire menu, puis sélectionner tout en restant appuyé pour faire ça et amalgamer une flèche. Ouais, ça fait beaucoup de touches, hein. Bon, après, ça va rentrer au fur et à mesure, mais tout de même. Est-ce que je peux me débarrasser de... Ouais, voilà, ça, je vais prendre l'arc. Salut, Dilalhan, bonne nuit. Ouais, désolé, hein, j'ai commencé le stream tard, mais... Obligé. Obligé à cause de l'embargo. Oh, bon, bah alors ça, vous savez très bien ce qu'on va faire. Hop. Ah mais ça c'est classique hein. Voilà. Hop là. Et le minecart. Oh, 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 oh. Oh c'est énorme. Ah bah c'est sombre. Ah, j'ai trop hâte de voir ce qui va être possible de faire plus tard. Attends, du coup, si je lance une graine Lumos au loin, est-ce que ça éclaire ? Genre si je fais ça. Ouais, ça éclaire. Putain, mais c'est trop bien. Cette grotte est particulièrement sombre. Tu auras besoin de lumière. Ah bah tiens. Est-ce que tu as du graine ? Oui, j'en ai. Oui, c'est bon. Bah, en fait, je viens de faire exactement ce que tu allais me dire. Donc, ta gueule. Merci. J'observe s'il n'y a pas un truc. Ah merde, j'ai plus d'antifroid. Bon, j'en ai pas besoin, tu me diras. Ah, mais c'est trop bien ça. Il fait quoi l'œil de chauve-souris ? Attends, on va tester. Rien du tout. Il fait de la merde l'œil de chauve-souris, il sert à rien. Sonium, ce minerai aux usages variés, était exploité par le peuple des temps anciens, à la fois pour l'énergie qu'il procure et comme matériau robuste pour des armes et armures hors pair. Attendez, je vais relancer une... Non. Oh. Oh oh.
Tiens, tiens, tiens. Par contre, j'ai plus de fruits de feu. Hein. Tu meurs, ma poule. Est-ce que le truc... Ah, putain, mais ça va trop vite. Je voulais essayer de le buter, mais c'est trop rapide, cette merde. Du coup, à quoi ça va servir, cette merde, là, le sonium? Bon, je loot tout au max, hein, les gars. Je vous avoue que là... Je suis à fond dans le loot. De toute façon, est-ce qu'on est là pour se presser? Grec. Allez, tranquille. Backseat. Mais ouais, mais en plus, je l'ai fait, les gars. Je l'ai fait à l'instant. Vous me backseatez des trucs que je sais. C'est débile. Ça sert à rien. Réfléchissez deux secondes, les mecs. Je suis quand même pas con. Enfin... Répondez pas à cette question, ça dépend. Mais bon, j'ai fait le truc il y a même pas 2 minutes et tu m'expliques ce que j'ai fait à 2 minutes, c'est dommage. Merci Benz. Bon, par contre, j'en ai plein là. Quoi ça va me servir cette merde? Oh, pardonne-moi mon impolité, j'étais concentré sur mon travail, je raffine du sonium. Oh putain, le shit qui est en train de se transformer pour Hyrule. Tu sais pas ce que c'est? Ceci, le sonium dont je te parle, il s'agit... Ah bah tiens. Mais on est spécial que l'on trouve dans les profondeurs de la Terre. Il est également possible d'en trouver un peu sur cette île, mais uniquement dans cette grotte. C'est grâce au raffinage de sonium et sa conversion en d'autres matériaux que notre société a pu connaître son essor. Pour raffiner le sonium, il faut le faire fondre dans un fourneau. On peut ensuite le convertir en divers matériaux. Puisqu'on en parle, les matériaux issus du processus du raffinage seront bientôt prêts, si tu veux bien attendre. Oh là, putain, attends. Il enchaîne les phrases, lui. Il va me perdre. Merci de ta patience. Laisse-moi te montrer les matériaux qu'on obtient quand on raffine du sonium. Là, ce sont des orbes d'énergie sono. Ils fournissent leur puissance aux objets sonaus. Nous avons aussi les cristaux d'énergie sono, qui contiennent la même énergie que les orbes, mais sous forme solide. Et donc, en résumé, raffiner du sonium, c'est le transformer en d'autres matériaux aux propriétés bien distinctes. Alors, les orbes, déjà. Les orbes sonaux alimentent les artefacts sonaos, mais aussi les golems. Tu peux t'en servir pour recharger ta batterie. D'accord. Et les cristaux? Les cristaux d'énergie sono contiennent de l'énergie sono sous forme solide. Ils sont surtout utilisés pour les batteries. Du coup, ils ont la même utilisation? Je comprends pas. Les matériaux que j'ai pu obtenir pour les flèches sont jusqu'à... regardez, c'est bien, c'est un autre. Du coup, ça sert à la même chose. Merde. Celui d'un final sonome par condensation d'énergie sonome permettrait d'augmenter la capacité de la batterie. Ah. C'est 3. Vas-y, j'en prends 5. Marché conclu. S'il te faut beaucoup de matériaux, reviens quand j'aurai fini. Ça, c'est quoi ce matériau pour notamment alimenter les golems en énergie? C'est besoin pour recharger légèrement votre batterie. Je vais en prendre 5 aussi. Marché conclu. Je vais encore détruire les trucs là, on sait jamais. J'en ai dépensé beaucoup du sonium là, donc... Merci Super Walou. Je peux t'aider, hein? Voilà, merci. Allez, hop. Merci pour l'aide, hein. Ah, ne les prends pas, s'il te plaît. Oh, le chapardeur. Aurais-tu par hasard oublié d'apporter des capsules? Des capsules? T'as donc bien oublié d'en prendre avec toi, à moins que tu t'en aies... Mais si, je viens d'en prendre. Il s'agit de capsules enfermant des artefacts... Ah non. Si tu n'en as pas, je vais bien te donner quelques-unes. Turbine, artefacts sono dont les... Glisse rapide produit. Ah ok, donc ça je peux en spawner un quoi. Si tu les sortes, ça choque. Et quand je les frappe, j'ai rien du vent. Ferme les gens, oublient que veux-tu. Heureusement, je suis là, j'ouvre l'œil. Je... Putain, c'est sa cause là. Hein. Ok, donc là maintenant je peux me servir. Je peux me servir de ça tranquille. Et accrocher un bousin dessus. Testons. Sortir de la sacoche.
Ah ok, j'aurais pu faire ça en fait. Ça va voyager les gars. C'est trop bien ça. Hein. Désolé mais c'est trop bien. Ouais, je vous avoue que j'ai pas tout compris par contre. Mais... Oui, on vient de là. J'ai pas tout compris encore, mais... Ah bah tiens, il est là le truc. Je suppose que ça viendra. Et est-ce que je peux le renfermer? Vous savez si je peux le renfermer dans une capsule, ça, ou pas du tout? Non, bon. C'est dommage du coup. La cloche du temple de temps sonne à des heures précises pour signaler le début du matin et du soir. Ah, c'est ça qu'on entend. La cloche tintée, nous savions qu'il était temps de se lever ou de se coucher. Servions aussi au cours des certaines épreuves solennelles. Cette cloche était au cœur de notre existence sur cette île. Je ne peux réprimer une certaine nostalgie quand je regarde le temple et que j'entends sa cloche. Là, vous voyez, c'est beau. Mais c'est moche en même temps. C'est dommage, hein. À ça de l'exploit. Qu'est-ce qu'on se fait? On se tape le boss? Pas mal. Champignax aussi. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Le générateur fonctionne à merveille. L'objectif du jour en capsule Sonaos devrait être atteint. Ah, désires-tu utiliser le générateur? Le générateur? Le Joker? Cette machine est un générateur qu'on utilise pour transformer des matériaux en capsules. Il accepte les cornes de golem et les orbes d'énergie sono. Ouais, vas-y, parle. Artefacts sono, tu peux les emporter où tu veux. Artefacts contenu. Ok, donc ça, c'est ce qu'on vient d'avoir. C'est ce qu'il y avait dans la vidéo de Juju, ça, je m'en rappelle. Attendez, du coup, il a dit... Les cornes de golem... Et... Il y avait autre chose. C'est quoi les autres trucs, les mecs? C'est ça, non? Les orbes d'énergie, non? Tous les artefacts sonos, en gros. Ah oui, corne de golem soldat. Attendez, si je fais ça et que j'en prends 5, par exemple. Oh, la loterie. Qu'est-ce que je vais avoir? Oh, putain! Une turbine. Marmite de voyage, ok. Lance-flamme, oh le classique. Enfin, je vais refaire, hein. Bon, au moins comme ça, si on en a plein pour tout à l'heure, si ça peut nous servir. Oh, c'est classique ça, putain, la loterie comme ça. Oh. Lance-flamme, marmite, turbine. Et je vais essayer avec, avec ça. Mais du coup, on est d'accord que quand j'utilise une batterie d'un artefact sono, ça pioche dans les orbes d'énergie sono pour pouvoir recharger une batterie, non? Oui, c'est du gachapon, exactement, les gars. Ou alors, ça... Ouais, c'est ça, ok. Bon, il y a beaucoup de trucs à comprendre, mais je pense qu'une fois qu'on aura tout pigé, on sera bien rodé. Donc, faut les utiliser... Ah, d'accord. Bah, j'ai pas tout compris. Ah oui, d'accord, ok, ça donne beaucoup plus. Bon, bah je pense qu'on en a assez, hein. Je veux rejoindre mon ami. Attends, je veux déjà aller voir le bestio, là. Je vais sauvegarder un coup. Ça vous plaît toujours, les mecs? Moi, ça y est, je suis dedans. Hein. J'étais pas bien, franchement, avant de lancer le stream. Là, je suis omnubilé par le truc. Tu vas moins vite, c'était trop chargé. Attends, tu as plusieurs gachapons sur la carte et chacun a ses matériaux précis. Ok. Tu vas moins vite, c'était trop chargé. Bah, j'ai pas l'impression. Hein. Dans le 1, en tout cas, c'était pas le cas. Hein. C'était un vrai container mobile, Link, hein, dans l'ancien. Donc, Oula, alors attends. Je vais me soigner.
Je suis con, j'aurais dû cuisiner un coup. Alors, malandrin, Golmax. C'est quoi ce pseudo de merde? Oh là! Oh la vache! Eh ben, Golmax! T'es faible? Sale merde! Bon, par contre, je vais me soigner. Je suis con, j'aurais vraiment dû cuisiner avant. Bah, champi, hein. Là, je vais tout utiliser, je suis trop débile. Attends, j'ai envie de tenter un truc. Oh putain, ça marche, le classique. Merde! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi j'ai une arme avec un oignon au bout? C'est quoi cette merde? J'ai une arme avec un oignon! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop bien ça! Oh la vache, ça fait des dégâts l'oignon, tu as pu de la gueule, Golmax! On va reprendre ça, c'était fort. Putain. Ah merde! Ça rame, sa mère la pute. Non, 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 mais putain! Ah, ça rame trop. Hop là. Allez hop dans ta mère. Non. Fils de pute. Ok, j'ai compris. Un truc qui donne de la vie là. Je vais même pas consommer des oignons. Oh, chier. Mais là je meurs si je prends un coup en gros. Bon allez tant pis. Let's get it! Oh le classique. Eh c'est autre chose que le... Orbe d'énergie sono. Lance-flamme. C'est autre chose que le boss caillou hein. C'est autre chose que le boss caillou dans le début du 1 hein. Et ça sert à quoi? Je peux même pas le ramasser. Qui pleut sur une arme. Ah putain, pas con. Genre un truc déjà puissant. Ça me fait chier de l'équiper. J'aurais préféré l'équiper sur une épée, mais... J'ai rien du tout. Du coup, ça lui fait quoi? Ah ouais, ça fait 15 de dégâts. Ah putain, mais c'est énorme ça. Putain, j'y aurais pas pensé comme ça à l'équiper. C'est incroyable. Toutes les possibilités qu'il y a là déjà. Je kiffe trop. Ça fait mal hein. Ouais, plus 15 là. Enfin, une arme plus 15, on est bien. Merci gros mag. Ouais, du coup, j'imagine pas quand t'as des armes de fou qui sont déjà genre à 100, 70, des trucs comme ça, et puis tu les améliores en plus. Ok. Tiens, on va s'occuper des Korogu là. Il est où le dernier truc? Ok, il est là. Il était où le Korogu? Il était là-bas, non? Hâte de voir les speedruns, ça va être un bordel. Ouais, clairement. Après,
J'y pense, mais il n'y a plus le magnétis là, où on pouvait bloquer un truc dans le temps, lui donner des coups, et ça, ça nous permettait de voler à des kilomètres et des kilomètres. On n'a plus ce truc là, donc... C'était un truc assez marrant. Je suppose que ton pote, il est de l'autre côté. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Comme par hasard. Peut-être plus tard, non? Ou c'est sûr qu'on n'a plus? Ben je sais pas, hein. Je sais pas, on va voir. En tout cas, dans les previews, j'avais pas vu de... de truc qui ressemblait au magnétis. On n'avait pas un minecart? Ah si. Bon là par contre je vais devoir je suis obligé d'utiliser une des turbines que j'ai dans ma besace. Est-ce que je peux t'accrocher toujours au truc? Je vais te mettre devant. Je vais te mettre devant, sale merde. Ouais ouais, oula, ouais, tu vas voir, ça va bien se passer. Voilà, tu seras en première loge, ma copine. Et du coup, c'est ça. Sortir. Hop. Voilà. Ça va très bien se passer, t'inquiète pas. Bon bah, tu vas te prendre le mur, hein. Oh attends, ah pas gnan. Attends, je te sors de là, je te sors de là. Voilà. Bon, t'es écrasé, mais au moins t'as ton pote, hein. Ah attendez, on n'a pas essayé. Tu respawn, j'espère, hein. Tu respawn, Coco. Ok, c'est bon. Ouh, il m'a fait peur, ce sale con. Ça va, Nintendo, vous êtes intelligent. Vous savez pas faire de nouvelles consoles, mais par contre, vous êtes intelligent. Sauvé par le Gongs. Allez, viens là, Apagnan, ouais, c'est ça. Oh putain, comment ça rame, les gars. Je sais pas si vous voyez ce que je vois avec la capture, mais c'est une catastrophe. Hein. Allez, hop, ma vieille. Tu peux faire une rampe avec la planche? Non, bah c'est possible. Mais je pense que c'est bien plus pratique de faire comme ça. Hop là. Est-ce que t'es moche, toi? Let's go. On est presque à 10 déjà là. Je me souviens plus. Vous vous souvenez, les gars, combien il faut en dépenser pour augmenter ses slots? Ah merde. Ça, je vais tester ça du coup. Mister MV, il est rentré du basket, le Mister MV. Bravo. Ça va même pas se coucher. Bravo, Mister MV. Alors ça, on félicite pas, hein. 1-1-1-2-2-2-3-3-3. Ah, au début c'est 1 à dépenser pour augmenter la possibilité d'inventaire. Attends, dans mes souvenirs c'était bien plus, t'es sûr? Sonic Frontiers a copié sur ses créatures. On va voir en même temps, les gars. Oh la vache, Tahna! Merci pour les 5 subs, Tahna! On dit merci dans le chat. Bah là je vais tomber, non? Je vais tomber là. À moins que... À moins que... C'est quoi ça? C'est un pigeon. Si j'avais un petit crochet... Ah parfait. Si j'ai un petit crochet et que je le mets genre sur celui... C'est lequel qu'il n'y a pas?
Un petit crochet sur celui de gauche. Si je fais ça. Peut-être à l'envers en fait. J'ai peut-être pris le problème à l'envers là. Ouais, ça marche hein. Oh, putain, mais ça marche. Tout est possible en fait. Le classique. Si je fais ça. Voilà, toi, tu bouges plus. Est-ce que j'aurais pas une autre turbine dans le coin? Tiens. Alors, maintenant pour te mettre. Ouh, mais c'est qu'il est intelligent le Hugo là. Ça, c'est de l'intelligence. Esprit de déduction peu commun. Bon, va falloir qu'on cuisine un truc. Faut qu'on cook. J'ai plus rien en stuff, là. Je me suis fait bouffer l'anus en mode salsifi. Il faut qu'on se fasse des trucs à manger. Hooper ref. Bah, bien sûr qu'il y a une ref à Hooper. Une intuitanation peu commun. Alors par contre, comment... Où on va après, là? Marmite de voyage. Eh ben tiens, ça c'est l'occasion. Faisons-nous à bouffer, les gars. Putain, j'en ai plein, en plus. Qu'est-ce qu'on se cuisine, les potes? Poser. Oh, bah déjà, la venaison. On va s'en faire une petite. Avec quoi comme herbe? Y a pas... J'ai plus d'oignons? Ah bah si, voilà, une petite gousse. Oh, ça va être bon, cette affaire. Hop. Viande de vapeur en duro, ok. Ah, c'est une recette par... par Thermomix, là? C'est quoi cette arnaque, là? Une recette par, par Thermomix. Oh, il y a un truc, là. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, cette merde, là. Il n'y avait pas un autre... Ah, si, il y avait peut-être un Thermomix, là. Je vais voir. L'imprimante carbone de fou. Bah ouais, c'est pas très écolo, ça, comme message. Nintendo, c'est pas du boulot. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit truc pour cuisiner, là? J'ai pas envie d'en utiliser un autre, en fait, vu que je suis pas dans une situation d'urgence. Bon, au pire du pire... Il me reste un plat... Ouais, j'ai le truc pic-pic à fond, là. 12-30, normalement, ça devrait faire... Oh, il y a une grotte, là. On va y aller. On va aller par là. Ah, merci, les gars. Vous êtes encore quasiment 2000 à 2h20. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah. Ah bah... Je sais pas, je suis passé sur le live d'Orti vite fait, elle arrête déjà. Ah mais MV il a lancé aussi. Il vient de commencer lui aussi. Ouais, il vient de commencer. Ah, elle arrête déjà. Moi je sais pas vous les gars, mais moi je continue encore un peu. Hein. J'aimerais bien, je vous dis, sortir de là. Si je puis me permettre, il fait extrêmement froid dans cette montagne enneigée qui nous surplombe. Si tu y vas mal préparé, tu vas très vite perdre de l'énergie. Ah mais je sais ce qu'il va m'expliquer. Ah, les pics-pics. Tiens, on va s'en refaire une pour la sûreté. J'en ai ramassé là des... Ouais, voilà. Et on va se mettre une petite venaison en plus, tiens. Voilà, du canard à l'orange là. Elle arrive quand la voiture, tu disais? Bah je sais pas, j'ai vu du gameplay où ils faisaient des bagnoles quand ils étaient sur le sol et pas dans les airs, donc
Je suppose que c'est quand on sera de retour sur Hyrule et pas en haut. Là, je vous avoue que moi ça me rappelle plein de souvenirs de quand je découvrais Zelda il y a 6 ans, Breath of the Wild. Et là les petits ajouts de crafting, j'aime bien. Je vais peut-être pas utiliser cette arme là pour l'instant, ouais je vais utiliser les armes pourries. Si vous voyez un rocher les mecs, dites-moi que je puisse le fusionner avec cette merde. Là, tu cannes. Est-ce que je vais réussir à avoir son petit frère, là? Oh, putain, il est trop rapide. Faudrait que je mette une bombe, en fait, direct. Mais j'ai pas de bombe. Non, pas une bombe. Non, pas deux bombes. Non, pas six bombes. Ah, tiens, il y a de la merde, là. Y a pas un rocher là, sérieux, il y a pas de rocher. Il faut qu'on fusionne un truc avec un Roro là. Je suis mort là. J'étais obligé de regrimper. Mais bel et bien 10 bombes. Ah, oh, falloir que je me rematte les si y en a un. Ah oui, là, putain, je l'ai pas vu. Aveugle man. Merci les gars, putain. J'avais pas vu. Et on revient là. Vu qu'ils sont... Vu que le jeu est gris, il était sur le sol gris, à côté du mur gris, dans le jeu gris. C'était compliqué pour moi. Par contre, il va falloir que je fasse gaffe parce que dès que je vais sortir de là-haut, à mon avis, j'ai la bite qui va rentrer en mode tortue en hibernation. Il va falloir qu'on se prenne un petit truc pic-pic. Ouais, voilà. Est-ce que ce serait pas le moment de le prendre maintenant, le plat? Hop là, parfait. Bon, 13 minutes, ça devrait le faire. Oh la vache, c'est blanc, hein. Le cast du The Event. Je vais aller voir là-bas d'abord avant d'aller voir Ruora. J'ai oublié comment il s'appelle, Raoru. Bah écoute, Kiketsu, moi qui l'attendais pas non plus au point que j'avais attendu Breath of the Wild pour l'instant, je suis très très content, donc c'est une bonne surprise. Oh, la petite énigme pour un Korogu, tu la sens? On va en vendre un... On en... c'est le 10e là. Non, c'est le 9e, putain. Bon, de toute façon, ce sera impossible de tous les faire en premier let's play. Hein. Je vais en rater forcément. Un peu dommage que ce soit les mêmes OST d'ambiance, ils auraient pu les embellir, non? Bah, il y en a qui changent, hein. Celle-ci, d'accord, c'est la même, mais depuis le début, on entend quand même avec les petites trompettes. Petite clarinette. Après, dites-moi si je dis une bêtise, mais j'ai quand même l'impression que c'est le premier Zelda qui est une directe suite. Enfin, c'est l'un des premiers Zelda qui est une suite directe. Je comprends pas. Ok, donc je l'ai touché, ça sert à rien. Quoi ça sert ce truc?
Je vais mettre un... Je vais mettre un point d'intérêt, là. Ça va forcément servir à quelque chose, cette affaire. Qu'est-ce qu'on met? Trésor. Ouais, je vais... Alors déjà, on va se dire que pour les... pour tout ce qui est... On va dire sanctuaire. Non, sanctuaire, on mettra étoile. Pour tout ce qui est... truc d'Assassin's Creed, on mettra ça. Point d'intérêt, qu'est-ce que je peux mettre? Mettre ça. Ouais, je vais mettre ça. Une feuille pour souffler dessus. Mais je n'ai pas de feuille, là, encore. On n'a pas ramassé de feuilles. Bon, tant pis. Je reviendrai plus tard. Faut que je fasse vite parce que pour aller jusqu'au sanctuaire, parce que j'ai plus que 10 minutes 30 de durée de vie de mon truc pic-pic. Ah bah c'est sympa ça. Oh par contre ça va être bien pratique. Faudrait qu'on se fasse à bouffer les mecs. Hein. Peut-être le choper en sautant. Ah peut-être. Les golems subalternes et les golems supérieurs protègent fidèlement. Oh, j'avais pas vu les pieds. Je suis vraiment désolé qu'ils t'attaquent ainsi. C'était malheureusement le seul moyen que nous avions pour protéger nos terres contre les envahisseurs. Tiens, il y a des connards là-bas. Je vais essayer de les geler. C'était quoi? C'était... Geler chuchu... Ah. Organiser... Ah, merci. Là, on comprend. Bah... Il se fout de ma gueule ou quoi? Putain, ça leur fait des dégâts. Ça m'a l'air plutôt puissant, cette affaire. Ah, faut que je fasse le faut que je fasse un peu attention avec mon stuff, j'en ai plus beaucoup, là. Pour obtenir une flèche téléguidée. Je dis pas comment... pour pas backseat, mais c'est très simple. Ah, tu parles pour le... La feuille, Marcel? Peut-être en... Pour le pissenlit, oui. Moi, tel que je me l'imagine... Peut-être avec le... Ah! Je l'amalgame avec une arme, non? Je l'amalgame avec un truc? C'est ça, les gars? Vous pouvez m'aider, là. Pas de soucis, c'est moi qui vous demande. C'est pas ça. Je le retiens avec ça? Non. Ah ! J'avais un truc examiné. Allez. Ok, d'accord. Faut la choper. Ah, tout ça pour une noix Kurogu de merde. Bon bah merci les gars, au moins comme ça c'est fait. Du coup, on retire la capote. Hop là, parfait. Bon, au moins comme ça, ça s'est fait. Alors ce DLC, bah très très bon. Très très bon les mecs. Hein. Je suis conquis. Je vais pas me répéter. Bon bah si, puisque j'ai commencé à le dire. Mais le plus gros défaut du jeu, là qui me saute aux yeux, c'est bel et bien... Ça saute aux yeux, j'ai même pas besoin de le dire. C'est laid, ça tourne pas bien. C'est tellement dommage, vraiment c'est tellement dommage d'avoir juste pas attendu de... Que ce soit une nouvelle console, un... Je sais pas, c'est du gâchis, vraiment c'est incompréhensible d'avoir fait ça. Sorti trop tôt le jeu, je pense. Défaut la Switch, oui c'est ça, c'est très bien résumé. C'est exactement ça. Est-ce que je peux pas m'amalgamer un autre truc? Ah si. Hop. Regarde, dès que j'utilise un pouvoir, ça rame comme pas possible.
enculé. Oh l'enculé. Allez, viens là. Bon, par contre, j'avais pas vu que j'avais plus de vie. Oh! Oh, je sais ce que je vais faire. J'ai plus de gelée chuchu. Ah! C'est pas ça que je veux faire. Merde, c'est pas ça que je voulais faire non plus. Ah! Il fait mal ce bâtard là! Oh! Oh, il m'a enculé! Oh, j'ai une idée. Ok, j'ai une idée. Je viens de voir ce qu'il avait au bout de son arme, je vais tenter la même chose. Je vais tenter de m'accrocher un lance-flamme à un bouclier. On va voir si ça lui fait des dégâts à ce débile là. Non, mais déjà, la zone du prélude, elle est grande. Hein. Alors, si je fais. Lance-flamme, sortir de la sacoche. Boubou. Hop. Amalgame. Hop. Oh, parfait. Oh, parfait. Oh, ça le fait. Oh, le classique. Alors, t'as peur, sale merde? Aïe, 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 j'ai rien dit, j'ai rien dit. Il faut que je change un truc. En plus, mon arme, elle est à deux mains, donc je suis trop con. Un truc qui donne plus... Bah, je vais être obligé de consommer un bousin. Hein. On va prendre une arme qui se manie à une main. Voilà, ça dégage. Putain, mais c'est incroyable, ça. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. C'est juste trop bien. Je l'ai chuchu rouge. De feu. Ah, et du coup, vu que je l'ai fusionné avec du feu, maintenant, elle est... c'est pas des trucs de glace, mais c'est un truc de feu. Ok. Ah, mais c'est trop trop bien, ça, la vache. Il y a tellement d'interactions avec tout. Oh. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, putain. Allez, viens là. Est-ce que je vais pouvoir réussir? Ah, le bâtard, il s'est barré là-bas. Culé, va. Par contre, ça, j'ai vu. Oh, les fleurs bombes, ça aussi, ça va être bien utile. Bon, alors, ceci dit, j'ai toujours pas compris à quoi ça peut servir les trucs qu'on ramasse à chaque fois qu'on tue une grenouille bizarre, là. Alors, où est-ce qu'on est? Ok, on a un trésor là-bas, je vais y aller. Là, ils ont bien bossé, rien à dire. Ah non, mais moi, je suis totalement d'accord. Hein. Après, c'est que la zone tuto, mais... Curieux de voir aussi l'histoire, parce que du coup, dans les tests, ils parlent de... Ils ont mis beaucoup plus de cinématiques, de narration, de lore. Je suis curieux de voir aussi parce que quand même la narration dans le 1, bien que c'était certainement le Breath of the Wild, le Zelda où il y avait le plus de cinématiques, de narration. Bah déjà c'est le premier où il y a des doublages. Donc déjà rien que ça. Mais oh putain, c'est quoi cette merde là? Est-ce que ce serait pas le moment de fusionner cette merde avec une bombe? Merde, j'aurais dû le faire plus tard. Vas-y, ouvre ta gueule. Bon bah... La découverte par l'expérimentation, les gars. J'y peux rien, c'est comme ça que ça se passe dans Zelda. On découvre des choses. On découvre de nos erreurs. Putain, il est presque 3h, j'ai pas envie de m'arrêter. Hein. Ah, j'espère que vous non plus. Vous ennuyez pas? Je vais être cramé demain. Bon, on va essayer de le refaire au propre.
va essayer de remettre une bombette. Vas-y, ouvre. J'ai mis du temps quand même. Je vais l'enculer dès qu'il ouvre sa gueule. Il prend cher. Ouh putain, ça fait mal hein. Ah mais heureusement que vous m'avez dit d'accrocher gastrolyte de Liclic. Putain, c'est ça, cette étrange pierre provient d'un Liclic. Puis biologique, on lui prête d'excellentes vertus pour la préparation de remèdes. Ok. Heureusement que vous m'avez dit de fusionner les deux, hein, parce que j'y aurais pas pensé avec ce qu'on avait looté sur le boss tout à l'heure. Ensuite. Lumos. Il y avait pas un coffre là ? Non, on l'a déjà pris le coffre, les gars, non ? Je sais plus. Si on l'a pris, il était là. Ah oui, le mob il est ignoble, hein. Je suis d'accord, mais. Dégage. Le fait qu'il fourre tout dans sa besace, Link, quand même, ça me fume. Il a place illimitée, le mec. Yo ! Eh ben, t'as plus d'énergie ? Hop là. On va se faire celui-là aussi. Hein. Allez, on va faire un truc chargé. Bam ! Allez, reviens là. Voilà. Oh, je peux plus en ramasser. Oh, double truc. J'espère que je peux avoir des nouveaux vêtements là, parce que bon, il a pas grand chose à se mettre. Hein. Opale. Ah, ce sera pas un vêtement ça. Lance-flamme. Bon, au moins niveau artefact, on est pas mal, on en a beaucoup. Le sanctuaire, il doit être au-dessus. Quoi ça? C'est rien. Ouais, il doit être en haut le sanctuaire. On va utiliser le plus bas hein, en attendant. Il y a encore des ennemis là-haut. Bordel que ça fait. Est-ce qu'on se fait les pecnos qui sont là-haut? Je vais me faire un petit ponton. Allez hop. Bon maintenant j'ai compris comment fonctionne le jeu. Hein. Comment ça rame? C'est les pires moments en fait quand on... Quand tu utilises les pouvoirs du jeu, c'est là où tu te rends compte qu'il est pas capable de faire tourner. Qu'est-ce que ça rame, mon dieu? Alors est-ce que c'est assez grand? Oh la bite géante! Ça m'a même pas l'air assez grand hein, cette affaire. Hein. Comme ça peut-être. Oh t'abuses. Bite géante. Ok ça passe. Alors par contre ils sont deux.
Allez, brûle, brûle, brûle. Ah, l'enculé, j'en étais sûr. Oh la vache, putain, mais il enchaîne ce bâtard. Trop chiant là. On va faire un truc. Oh, oh le classique. Oh attends, la musique est incroyable. Tadam. Oh oui, ça rame, Anthony. Oh oui, ça rame. Mais ça passe. Mais ça passe. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une tenue? Ah, j'aimerais bien lui foutre un autre froc, là. Il est en Uniqlo depuis tout à l'heure, le Zelda, là. Le Link, plutôt. Faudrait que je grimpe là-bas. Ah, j'ai appelé Zelda, Link Zelda. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Oula! Oula! Les gens sur la VOD qui vont me chier à la gueule. Oula! Ah bah tiens, c'est l'occasion là. Tiens, c'est pas ça que je veux faire. Hop! Et ensuite. Le sanctuaire est juste ici. Du coup, troisième pouvoir. Est-ce que ce serait pas le pouvoir pour passer à travers les plafonds? Faut toujours faire du skate avec les boucliers. Alors, je vous avoue que j'ai totalement zappé la manip qu'il fallait faire pour pouvoir se mettre en mode boubou. Faut pas sauter et je sais plus ce qu'il faut faire. Oh merde. Je sais plus ce qu'il faut faire. Garde, saut. Ah si on peut. Attendez, je teste. Ce qu'il y a, c'est que là c'est une boule là donc ça marche. Il faut que ce soit un bouclier, mais on peut apparemment. C'est sur un bouclier attaché à un objet, voilà, c'est ça, ça marche pas. De toute façon, là, je crois que j'ai pas de bouclier normal. Ouais, non. Oh, c'est beau, là. Oh, il y en a de la merde, là, aussi. Ouais, c'est très beau, hein. Malheureusement, c'est moche, mais c'est beau. Allez hop, troisième sanctuaire. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre à Raoru? C'est quoi déjà Raoru? Rora? J'ai oublié ce que c'est son nom au mec. Raoru, non? Alors, qu'est-ce qu'il nous a filé? Docteur Rao, ouais. Ah. Enfin. Les ongles. La manucure, ma chérie. Agrou. Le flop. Le flop s'il s'appelait Agrou. Ah bah tiens, ça a l'air d'être ça. Ah mais la texture derrière, c'est Kingdom Hearts PS2. Hein. Le premier. Hein. Ok. Les gars, vous êtes prêts pour la vanne qui va arriver? Ça m'a mis au sol la première fois que j'ai vu ça sur TikTok. Vous allez voir, vous allez être complètement... Vous avez pissé dessus de rire, je vous le dis tout de suite. Ok les mecs. Je passe sur l'axe Y. Oh putain, je peux pas me retenir de rire. Oh, je peux pas me retenir de rire, désolé. Je viens de passer sur l'axe Y, le classique. Désolé les gars, mais je repasse sur l'axe Y.
C'est énorme. Oh la vache. C'est hilarant. Lul, n'hésitez pas à écrire Lul hein, si vous avez fait rire. Bah non. J'en veux pas de tâche de merde. Ah, le gain de temps pour s'éviter d'escalader, ça par contre c'est classique. Non ! Au moins je sais qu'on peut annuler maintenant. Alors toi. Aïe ! Bon, il y a un truc aussi là. Ah, j'aime trop ce bruit. Juste ce bruit là. Ah, j'aime pas les ASMR, mais par contre, les bruits de Zelda. Il y a quelque chose. Oh, c'est trop beau ça. Alors, un truc utile. Allez, l'arc de Feldup, c'est bon, j'en ai rien à foutre. J'en ai déjà plein. Et il pourrait nous fêler des trucs un peu mieux quand même. Oh. Hop. Hop là. Alors par contre, c'est quoi le truc qui me permet de me dire que je peux passer Genre, je suppose qu'il n'y a pas toutes les textures on peut passer, non? Va falloir qu'on teste. Parce que c'est sûr que tu peux pas faire ça partout, sur toutes les plateformes. Quasi toutes? Pas toutes les hauteurs, juste non. Ouais, bah ça a l'air d'être ça, vu que j'avais pas l'allonge. Ah, c'est bien si on peut faire ça partout, mais pas sur... Enfin, que ce soit la hauteur, le truc qui te limite. Drin. On va pouvoir retourner au temple du temps. Le classique. Plus rien à boire. Vous savez que la prochaine fois que j'aurai soif, ce sera la fin du stream, du coup. Retrouver certains de ses pouvoirs. La porte du temple du temps ne devrait plus résister désormais. Allons-y. Allons-y, Link. Oh, il y a un truc là-bas. C'est là où je me suis battu, ça, les gars? Oui, c'est là où je me suis battu. Tu peux littéralement traverser des montagnes. Oh, le classique. Ah, on va faire un petit peu de... Désolé les mecs, mais pause... Pause cuisine. Link, sa place, c'est à la cuisine. Pardon, je vais arrêter. Je vais arrêter parce que je vais mourir de rire, en fait. Tiens, on va se faire une petite fricassée de champignons. On se fera des œufs après. Viande vapeur enduro. Oh, c'est pas mal, ça. Des petits œufs. À la coque. Omelette nature. On va se refaire un truc pic-pic, on sait jamais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Tiens, une petite dorade, là. Avec un petit oignon. On va se faire une fricassée de champignons aussi. C'est quoi ça, champi céleste? Et temple du temps. Ouais, brochette de champi, parfait, ça donne que deux cœurs. Donc là, pouvoir du coup. Ah ouais, on peut. Là. Oh, par contre, j'ai envie de grimper là. Oh. Ça d'abord, on a encore le gacha là-bas. Tac. Ah, voilà les vieilles godasses. Bon, les spartiates, elles étaient jolies quand même. Hein. Voilà, au moins on aura un petit peu moins froid. J'ai envie de monter, les mecs. Attendez. Oh, attendez, attendez. Oh, mais je peux, le classique. Oh,
Ah, je trouve ça trop trop beau, ça. Eh ben tiens! Le petit Kourougou. Mais ça, mais c'est incroyable. La curiosité récompensée. Ah non. Je pensais que ça allait la détruire. Ça, c'est ce qu'on aime. Hop là. 10. 10 gouttes de pisse. Oh, on va voler, les mecs. On fait petit trésor, gachapon, et ensuite on va voler. Oh, le classique, j'ai trop hâte. Tiens, on va sauvegarder quand même. Hop là. Plus que 99 milliards. Ouais, bah alors ça. Donc là, pareil. C'est trop bien. C'est trop bien comme pouvoir. Quelle idée de fou. Alors, est-ce que je peux passer comme ça? Ça m'a l'air faisable, cette affaire. Ah, bon. Ah ça, je l'ai peut-être mis un tout petit peu trop loin. Ça arrive, les gars. Désolé, hein. On n'est pas mort beaucoup, quand même, hein. On n'est pas mort beaucoup. T'as loupé une zone. Mais c'est pas grave. De toute façon, vous savez très bien que quand je jouerai en off, je retournerai ici pour explorer le reste. J'aimerais bien voir ce qu'il y a quand on va au temple du temps, là. Alors... ça va. Ah mais ça c'est trop stylé ça, mais putain, mais regardez les textures pourries là. Ça c'est moche, hein. C'est con, hein, parce que la DA elle est magnifique. Le gâchis, bravo Nintendo, hein. De faire un excellent jeu dans un emballage pourri. Un très bon bonbon dans un très mauvais emballage. Oh, planeur x3. Je vais utiliser ceux qui sont donnés à ma portée, hein. Est-ce que... Attendez, c'est quoi qu'il faut mettre déjà là-dedans, les mecs? Corne... Alors, ah tiens, j'ai pas essayé de mettre 5 cornes de golem lieutenant. Si ça se trouve, ça donne un milliard de trucs. Ah, nickel. Planeur, lance-flamme et turbine à caca. Eh ben, on est bon. Oh, qu'est-ce que tu fais là, Raoru? Ce qu'on appelle les artefacts Sonaos, ils constituent notre apothéose technologique. C'est grâce à eux que nous avons pu nous établir en tant que civilisation avancée. C'est grâce à eux que nous avons ainsi pu prospérer. Si tu parviens à maîtriser leur technologie, je suis certain qu'ils te seront d'une aide précieuse. Est-ce que j'ai besoin de mettre un truc dessus, là? Est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre un truc dessus? Oh putain, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse! Ah! Oh si, ça plane. Oh, mais c'est classique, ça! Attends. Qu'est-ce que tu fais, Link? Ah putain, j'aurais bien aimé. Ah, si je peux aller là-bas, ce serait pas mal. Non, je vais pas pouvoir y aller. Ah, j'ai le seum. Ah, fais chier, putain. Attends. Je vais voir si je peux pas y aller avec le... Comment ça s'appelle? Le pouvoir pour monter, là. Ah, non, à mon avis,
Oh, ça m'a l'air trop haut cette histoire, bon tant pis. On va mettre une orbe dans le trou, dans quel trou? Le trou du planeur? T'aurais dû essayer avec une turbine, ça se trouve. Ouais, je voulais voir si c'était possible de planer avec direct, mais du coup, bah je le sais, mais... Avec deux turbines, ouais, peut-être que ça aurait duré plus longtemps, c'est pas grave. De toute façon, vu que j'ai un sanctuaire qui est juste à côté... Oh, mais ouais, d'accord, ok, bon, bah c'est incroyable. Vu que j'ai le sanctuaire qui est juste à côté, je pourrais retourner facilement pour retester. Oh! Comment je t'ai trouvé? Ah, parce que je suis passé dans le trou en question, 2 points. Bon, bah je prends. Alors, qu'est-ce que tu me caches, ma poule? T'as traversé sur le logo du Kourougou, je crois. Ah, putain, j'ai même pas fait gaffe. La porte close. Ah, ça y est. Oh, la crotte de nez géante. Link. Attendez, j'enlève ma cam. Par respect pour la cinématique. Ah, les bruits de gros baiseurs. Oh. Ça a pas changé, ça. Qu'est-ce que tu me fais, là? Ah, du flow, Zelda, comme ça. Voilà. Ouh, tchou, 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 tchou. Ah, oh, putain, arrêtez avec les fondus au blanc comme ça, là. Ça fait mal aux yeux, hein. Rétrospective. Ce pouvoir permet d'inverser le mouvement d'un objet afin de le faire revenir vers son emplacement précédent. Ce mouvement inversé peut être interrompu à tout instant. Ok, bah c'est ce qu'on voyait dans les trailers du coup. C'est le rewind. C'est l'heure du rewind. C'est l'heure du rewind. Oh. Rétrospective. Le pouvoir de remonter le cours des déplacements d'un objet. Oui bon, je me doute que je vais devoir m'en servir pour monter. Et Zelda a disparu sans laisser de traces. J'ignore ce que tout cela signifie, mais je pense que ce que tu as vu était l'écho d'une puissante volonté de sa part. Oh, juste pouvoir, il y a forcément... Putain, avec le gros bouclier pierre, là, ça donne un... une toute autre saveur à la cinématique. Hein. Alors. Oh putain, c'est instantané en plus. Hop. Ah, c'est trop bien ça. Putain, mais alors là, ça en combat, ça doit être classique. Oh! La statue de la déesse vous sourit avec bienveillance. Malveillance, Max.
Oh là. Qu'est-ce que tu nous prépares? Poussé. Ah ben alors? Cette porte est là pour mettre ta, j'allais dire, virilité à l'épreuve. Et comme tu as perdu presque toutes tes forces, j'ai peur que tu ne sois pas en état de surmonter cet obstacle. Mais il reste un sanctuaire sur cette île. Ah bah tiens, on va pouvoir trouver une lueur bienfaisante. D'ailleurs, chaque sanctuaire en contient une. Si tu les réunis et que tu les offres à la déesse, elle devrait pouvoir te venir en aide. Montre-moi la tablette Prua. Tenez ma Switch. Elle possède une fonction de téléportation. Tu vois ces symboles bleus? Oui, bon, j'ai joué au premier, hein. J'ai joué au premier. Certes, l'intervention pour te rendre au dernier sanctuaire. Ok. Bah, c'est là où on a spawné, en fait. Ah, elle est jolie, cette zone. J'aime bien. Alors, allons-y. Cart. C'est ici. C'est quoi, ça? Générateur. Ah, ils ont mis des petits détails sur la map, tiens. Les entrées des grottes. Ah, ça, c'est là où j'ai chopé les gouttes de pisse. J'ai pas le souvenir qu'il y avait ça. Genre, les endroits où tu pouvais avoir des shops dans l'ancien. Ça, je peux le virer, hein. On l'a fait. Ça aussi, je peux le virer. Hop. Allez, c'est parti. Ah, salut Marcelo. Ah. J'aimerais bien finir quand même le tuto, hein. Comme ça, au moins, ça fait une VOD où on commence le début de l'aventure ensemble. Ça vous plaît toujours, du coup, les gars? Moi, pour moi, c'est classique, hein. Y'a pas à chier, hein. J'aime beaucoup les nouveaux pouvoirs, en plus. Hâte de le faire tourner très bien sur émulateur. Hop. C'est l'heure du rewind. C'est l'heure du rewind. Non. Ah, quel fils de pute. J'ai fait trop vite. Il tourne très bien sur un PC Lenovo, par exemple. Bah, je testerai. Tu vois, je testerai par curiosité. C'est l'heure du rewind. Hop là. J'ai où, là? Oui, Abyss, ça tourne extrêmement bien sur CEMU. Émulateur Wii U, par contre. Moi, par exemple, je l'ai sur CEMU. Bah, si vous voulez, à la fin du stream, je vous ferai voir, vite fait. Ça tourne 4K, 60 FPS, ray tracing. Si tu n'as jamais fait Breath of the Wild, je pense que c'est la meilleure des façons de le faire. Allez, sanctuaire de Nacho, là. Ouais, il y aura une rediff. Bah, je sais pas si... vous préférez quoi, les gars, rediff? En gros, c'est soit demain soir, on vous met Breath of the... la rediff de ce soir. Enfin, de ce matin. Soit on vous met les JO. Dans tous les cas... elles arriveront l'une après l'autre, hein. Merde. Merde. Attends, mais je vais canner, là. C'était sûr. Dans l'ordre, donc JO. Ah, vous préférez les JO? Moi, j'aurais mis Zelda avant, quand même. On est quel jour demain? On est vendredi, c'est ça? Ouais, on est vendredi. Ah, j'aurais quand même mis Zelda avant, parce que c'est dans l'actualité, en fait, c'est pour ça. Il n'y aurait pas un petit... Non, il n'y a pas l'air.
Regardez s'il y avait un petit coffre. Ça fera du clic sale. Ouais, je pense que je vais mettre Zelda demain et JO, on mettra ça samedi, les mecs, sera mieux. Hop là. Bah tiens. Ah mais la mécanique est trop bien franchement. Allez, un vêtement. Bon. J'aime bien faire ma fashion victime moi dans Zelda donc Bon bah du coup je suis dégoûté, je voulais prendre de l'endurance mais je vais être obligé de prendre de la vie pour pouvoir... Enfin je suppose que j'ai pas le choix au final. On va devoir prendre de la vie pour pouvoir ouvrir la porte. Il y a Super Mario Odyssey sur CEMU. Non c'est un émulateur Wii U, Abyss. Du coup après il tourne bien sur les émulateurs Wii Switch Odyssey. Hein. C'est quoi ça? Générateur de cellules. Si tu veux, je peux te fournir des cellules de batterie supplémentaires en échange de cristaux sono. Hein? Ah bah, bah j'ai pas assez ma poule. Hein. J'en ai que 5 moi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, c'est joli. Ah, parfait, on va pouvoir tester. Du coup, vous pensez je mets deux trucs pour voler, là? Deux ou un seul? Ah, j'en ai pas mal. Vas-y, je vais tenter avec deux, Et c'est une orbe. Comment ça, une orbe? C'était comme ça, hein. Alors, qu'est-ce que ça donne cette affaire? Oh là là, oh là là. Oh là là, qu'est-ce que vous nous faites? Vas-y, plonge. Ah, je peux peut-être y arriver là, comme ça. Faudrait que je me mette à hauteur du truc. Putain, c'est que ça tourne vite cette affaire. Je vais essayer d'y aller là où on n'a pas pu y aller tout à l'heure. Voilà. Putain, ça va être dur à viser, hein. Et hop! Merde! Oh, c'est bon. BAM! Hop là! Merde. Ah bah voilà! Alors, qu'est-ce qu'on a là? On va aller voir là-haut. Le petit fail. Ouais, j'avoue que j'ai ressauté sur la plateforme en plongeant. Une mer de nuages, nous devons être en hauteur. Comme te l'a expliqué le golem assistant, tu te trouves dans le jardin du temps. C'est là qu'avaient lieu des divers rites et cérémonies du royaume. Ça se passait au sol. Je bégaye, hein. 3h10 du matin. Est-ce qu'il y a un truc là-haut? On va me dire qu'il n'y a rien là. Il n'y a qu'un pigeon. Bon. Bah, des œufs et un pigeon, les gars. Oh la vache, comment ça a ramé sa mère la pute.
Allez, bah tant plus du temps, les amis. Est-ce que je peux re-sauter, là? Hop là! Merde. Ça dégage. Alors, c'était où qu'on était passé? C'était là. Salut, Mats. Hop! C'est... Hop là! Je trouve ça trop trop beau, ça, putain. On va sauvegarder. On n'a pas eu de bug pour l'instant, hein. Le jeu s'est pas éteint, j'en avais eu pendant sur Breath of the Wild quand... Enfin, c'était à l'époque de la sortie de la Switch. Alors, voyons voir. Alors ma vieille, est-ce que j'ai le choix entre... Bref, mon avis non, c'est forcément cœur là du coup. Voyons voir. Merde, eh oui, c'est cœur. Allez, vas-y. Non ? Oh, c'est encore mieux, c'est encore mieux. Est-ce que j'ai assez de force? Va, il ramène la paix dans le monde. Ah, ah. Tout pile. Oh, il va. Oh, il va canner. Oh. Ah, cinématique. Parfait. Ah, enfin vous parlez. Tu as réussi à ouvrir la porte. L'attaque de miasme que tu as subie a affaibli ton corps. Tu es encore loin d'avoir retrouvé toutes tes forces. Putain, quand je pense que j'avais tous mes cœurs, il y a même pas 3 heures. Grâce aux lueurs bienfaisantes des 4 sanctuaires. Leur lumière a dissipé une partie des miasmes qui te rongent. Nous ne nous serons pas côtoyés très longtemps. Mais j'ai pu faire ta connaissance. Et je m'en réjouis. Merci, ma poule. Zelda avait raison à ton sujet. Oh, c'est beau la musique, là. Je te la confie. Putain, il a dit confit. J'ai imaginé confit de canard, là. Et j'ai trop faim, là. J'ai mangé du riz avec de la crème fraîche et des échalotes, là. Je... J'ai faim. Et j'ai rien à bouffer. À la recherche de Zelda. Ah, c'est beau, là, putain. Est-ce que je peux mettre un autre... ouais, ce serait peut-être un peu plus stylé d'avoir ça dans le... Oh non, c'est moche. Alors, bon, c'est... tout est moche, hein. Tant pis. Un petit coup de sustentation. On va prendre le moins pire, tout à fait. Oh, il y a un bibelot là-bas, là. C'est que ça.
Putain, c'est pas vrai. Un Master Sword. Elle est stylée comme ça aussi, hein. Ah, mais du coup, est-ce que je peux pas amalgamer des trucs avec la Master Sword? J'ai même pas testé au début, je suis trop con. Photo. Très jolie. Bah du coup, tu m'as avalé ma Master Sword, connasse. Ah, ça a l'air d'être le même dragon. On dirait les mêmes bruits que dans le dragon que tu sauves dans Wind Waker, là. Oh, c'est beau. Ah là, Link. Link, je t'en prie, retrouve-moi. Elle m'a appelé par mon prénom. C'est beau. Oh putain, je vais sauter. Oh putain, je vais sauter. Oh putain, je vais le faire. Ah ! Ah ! Hype ! Hype du train ! Oh, il y a une petite île là. Oh, il y a l'air d'avoir plein de trucs qui ont changé là. Oh, il y a un sanctuaire là-bas. Hop là. Et voilà, de retour en Hyrule. Oh, le château. Il a pris cher, hein. Bah nous y revoilà. Oh, sympa le petit remix. Oh alors putain, il y a un truc que je vais faire tout de suite parce que je l'ai fait dans Breath of the Wild, c'est on va... Voilà, ça je suppose. Vous savez très bien ce que c'est. Alors hop, hop. Tac. Ça aussi. Là, on a un sanctuaire. Qu'est-ce qu'on met pour les sanctuaires, on a dit ? Étoile. Qu'est-ce qu'on a d'autre, là ? Il y en a plein, là. Tac. Ça aussi. Voilà. Je suis pas la moitié d'un con, moi. Hop. Putain, ça veut dire qu'il va falloir tout redécouvrir. Oh, puis la map, elle est aussi grande que dans l'ancien, la vache.
J'en ai vu un là aussi. J'aime trop faire ça. Ah putain, mais je me rappelle que quand j'avais fait Breath of the Wild dans l'ancienne, j'avais passé peut-être une dizaine d'heures avant d'aller au village Cocorico, bah à faire des sanctuaires. Donc j'avais amélioré de fou ma vie, mon endurance, avant d'aller faire des sanctuaires. Oh bah tiens. Ça. Et il y en avait un là aussi. Désolé les gars, je fais ma popote. Hein. Et on est pressé ou pas? Je suis là. Et vous êtes là aussi. Impressionnant. Hein. Hop là. Et j'ai vu un sanctuaire. Voilà. Hop. Comme ça, déjà, on a des subjectifs. Est-ce qu'on peut voir autre chose, là? Je les ai déjà mis, eux. Oh! Oh, c'est quoi, ça? Oh, c'est un truc... Putain, ils ont remis les... Oh, trop stylé. Ils ont remis les trucs pour les chevaux. Attends, je vais aller voir. Je suis conquis, les gars. Je suis conquis. Je sais pas vous, mais il y a quelque chose qui s'est passé, là. Il y a eu un déclic. Tu peux side avec les boubous? Ouais, mais faudrait que je... Oh, il y a un sanctuaire là-bas aussi. Ouais, je peux slide avec les boucliers, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, je les ai amalgamés, donc c'est mort. Alors, voyons voir. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Le nombre d'heures que j'ai passé, mais pendant 2 semaines, j'ai fait que ça tous les jours non-stop. Et là, j'ai juste envie de recommencer. Hein. Ah, la musique est trop belle en plus. Bon, du coup, je le mets au cas où. Mais bon, je pense pas que je vais l'oublier, lui. Hop. Donc ça, c'est un sanctuaire. Tac. Là, là, le petit... Oh, le chien! Attends, est-ce qu'on peut caresser le chien maintenant? On pouvait pas dans l'ancien. Oh là là là. Ah, ça y est, je vais pleurer. Oh, les souvenirs. Nanana. Ah, attendez, je vais essayer de donner une pomme au toutou. Est-ce qu'on peut encore le faire, ça? Bon, je vois pas pourquoi il l'aura enlevé. Salut, mon gros. Tu veux pas la pomme? Ah, voilà. Je peux pas te caresser. Oh, ça, c'est décevant. Hein. La musique de fou. Hein. Nanana. C'est quoi, ça? C'est quoi, ce truc, là? On peut pas pète le dog? Bon, il y a l'air d'avoir un sanctuaire, là-bas. Je vais aller voir ce que c'est, ce truc là-haut, là. Le chien, on peut même pas toucher le chien. Oh, grappe de tomates. Mmh, oh, j'ai faim, putain. Des tomates cerises, là. Je vais rejoindre mon ami. Ah, putain, un autre. Où est-ce qu'il est, ton pote? Oh bah t'attendras, hein. Oh. On peut pas dire qu'il y a rien là, les gars. On peut pas dire qu'il y a rien là, franchement. Quand on voit ça. Est-ce que ça donne pas envie de partir à l'aventure? Non, moi franchement très content. Hein. Très content du jeu.
Sauvegarder. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Vous voulez que je vous fasse voir vite fait ce que ça donne Breath of the Wild sur Cemu? C'est si beau et moche à la fois. Ben ouais, c'est ça le pire. C'est vraiment ça le pire. Avant que je parte, juste pour vous rendre compte à quel point vous allez voir le décalage qu'il y a entre ce qu'on vient de vivre pendant 3h30 là. J'ai beaucoup apprécié, mine de rien. Et ce qu'il est possible de faire avec un jeu qui est sorti il y a 6 ans avec un émulateur. Vous allez voir, vous n'allez pas en revenir. Hein. Alors attendez, j'éteins, je mets la console en veille quand même. Hop. Je branche la manette d'Xbox parce que oui, c'est une Switch, hein, Twitch. C'est une Switch. Vous allez voir. Enfin, c'est une Wii U. Hein. Où est-ce qu'il est l'émulateur? Vous allez halluciner. Hein. C'est un autre jeu. Je l'ai mis où? Je l'ai mis sur mon SSD, je crois. Wii U, Cemu. Voyons voir. Voilà. Vous allez voir. Hein. C'est Day and Night. Tut. And it's getting on and right. C'est autre chose. Hein. Continuez. Déjà, rien que les menus, ça y va. Hein. C'est streamable? Oui, c'est streamable. Là, je suis mort. Hein. Voilà. Rien que là. Rien que là. Oh là, c'est beau. C'est beau et en plus, c'est fluide. Voilà les gars. Putain, j'ai plus de flèches. C'est dingue, hein. Bon, il y a quelques bugs graphiques, vous voyez, mais... C'est rien, c'est tellement rien. C'est un classique. 60 constants, ah oui, tout le temps. Hein. Vous imaginez ça? Imaginez ça à la sortie de Tears of the Kingdom sur une Switch. Regardez comment c'est beau. Là, j'ai mis un filtre pour que les couleurs soient moins pastel, qu'il y ait moins un filtre de fumée dessus. Donc les couleurs sont un peu plus vives. Et bah, c'est classique. Voilà. C'est vraiment, moi pour avoir fait le jeu en entier, j'ai passé peut-être 100-150 heures sur Breath of the Wild pour avoir bien poncé le jeu. Bon, pas à 100%, mais vous m'avez compris. Là, j'ai joué 5 heures, là, comme ça. Et ça n'a rien à voir. Ce qui est le plus choquant, je pense, c'est le fait que ce soit à 60 FPS tout le temps. Merci Nizo. Et encore, là, j'ai bloqué à 60, je peux le faire tourner à 144, 240, etc. Donc, Dégoûtant. Alors que si vous aviez sorti, je sais pas, une console un peu plus puissante Nintendo et vous sortiez Tears of the Kingdom dans un ou deux ans, peut-être qu'on aurait pu avoir ça à la sortie. C'est déjà à 60, oui, bon, je sais très bien que c'est déjà à 60 avec certaines techniques de droïdes, mais... T'as ton stream à 100 FPS? Non, mon stream il est en 60. Mais voilà quoi, imaginez ça à la sortie de Tears of the Kingdom. Ça aurait été autre chose. Ça aurait été autre chose, les mecs. En tout cas, je vous invite à faire le jeu le premier sur émulateur. Hein, si vous voulez tâter, vous n'avez pas de Switch pour faire Tears of the Kingdom. Combien de temps avoir Tears of the Kingdom aussi beau? On peut attendre. Hein. Je pense que pour que ce soit bien fluide, on peut attendre facile quelques mois. Mais en tout cas... on va le faire sur Switch. Hein. C'est triste, mais on va le faire sur Switch. Hein. Tant pis. Enfin bref, bon bah merci d'avoir été autant les gars, très très plaisant comme petit stream, ça m'a fait plaisir de découvrir ça avec vous, je pense pas que je restreamerai la suite en live, je vous avoue que moi je pense que je le ferai tranquille sous le plaid, désolé je suis fatigué, je sais même plus ce que je voulais dire, ouais merci d'avoir été autant, merci pour tous les subs et les resubs, vous régalez, du coup si je reçois une nouvelle Switch les gars, je vous la fais gagner, hein. Si j'en reçois une nouvelle
de Nintendo, une Switch Zelda, je vous la fais gagner sans souci. On aura des updates de ton avancée. Ah oui, oui, clairement, je vous tiendrai au courant. Et puis, bah merci encore une fois, très très cool. Je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve. Demain c'est sûr, je stream pas, je vais être éclaté. Samedi, peut-être faire un truc samedi, hein. On verra ce qu'on fait. Et sinon, dimanche, comme on avait fait la semaine dernière, c'était sympa. Donc, je vous tiendrai au courant, les mecs. Hein. Je vous fais des gros bisous. Merci encore une fois pour tout. Le train de live qui approche, ça sert à rien. Range-toi, la gare est rangée, là. Merci, Bakara, pour le tir 1. La VOD de Zelda arrive de ce soir. Vous avez compris, hein. Ce soir, et puis les JO samedi. Hein. On fait comme ça. Allez, les mecs, des gros bisous. Passez une bonne soirée. Enfin, une bonne nuit. Et encore merci de m'avoir suivi dans cette... Vous m'avez soutenu, c'est bien. Vous m'avez soutenu, grâce à vous j'ai tenu. Allez, salut à tous. Au revoir.